Et coucou! Je suis trop contente de vous retrouver. En vrai, je me sens comme une gamine. Alors que hier, j'ai vraiment. Ah, je suis. En fait, je suis dans une période assez compliquée là. Il m'est arrivé un truc pas ouf hier. Je vous en parlerai quand j'aurai un peu dézoomé sur tout ça. Et du coup, je suis dans un mood un peu tristou, tu vois. Kim est trop mignon avec moi d'ailleurs. Petit pipou. Et du coup, genre là, l'idée de jouer genre pendant 2 heures avec vous. En vrai, ça me hype de ouf. Je me suis fait désirer. Oui, c'est parce que Kim voulait me montrer un projet d'étagère pour le salon. Encore une étagère. On n'arrête plus les étagères. Merci pour le gros câlin, t'es mignonne, Lenka. Merci, mon Titi, pour tes 5 subs, pour Léanuche, Girls Wood, Asteria 27, Wishkini, Riolet 69. Merci! Alors Lenka, j'espère que t'as téléchargé avec mon code, avec mon lien. Avec le lien qui était sur le truc Twitch. Je vous explique. Je vous explique. Aujourd'hui est un stream sponsorisé. Oh oui. Alors vous savez que quand j'accepte des streams sponsorisés ou des OP de manière générale, c'est pas souvent. Et quand j'accepte, c'est parce que j'ai envie, tu vois. C'est que ça me plaît, ça me hype, ça me motive. Le dernier truc sponsorisé que j'ai fait, c'était HelloFresh. J'étais déjà abonnée avant, je le suis encore maintenant. Bref, vous voyez l'idée. Et bien aujourd'hui, ils m'ont proposé un stream OP sponsorisé par Rise of Kingdoms. Merci Violette pour ton reprime, dis-moi, merci beaucoup! Et merci mon Armin d'ailleurs pour ton renouvellement, c'était juste avant que j'arrive. Allons coloniser la Terre, exactement! Du coup, je vous explique. Je vous explique comment ça marche. Tadam! Alors, il y a un lien qui est dans le chat, et vous l'aurez d'ailleurs en team rediff, parce qu'en gros il va y avoir deux streams. Un stream aujourd'hui, la rediff qui va arriver sur YouTube, chaîne secondaire, demain ou après-demain, voilà. Et mardi, on en fait un autre. Et en gros, l'objectif, c'est que on crée un clan sur ce jeu. Merci Lanaï pour ton resub, merci beaucoup. En gros, alors moi j'ai même pas encore créé mon compte, hein. Là je suis vraiment à la page d'accueil, je ne sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'à partir du niveau 5, je peux créer un clan, et vous, à partir du niveau 5, vous pouvez le rejoindre. Et en gros, il y a un lien du coup qui est dans la bio. Alors le niveau 5, ça t'invite, hein. Je crois que c'est en 10-15 minutes de jeu, enfin peut-être un peu plus, vous voyez ce que l'idée, 5 niveaux ça va vite. Et en gros du coup après on peut jouer ensemble, genre farmer ensemble, récolter ensemble, se battre. Alors normalement on se bat pas trop je crois au début on est surtout en train de construire notre bordel, hein. Mais en gros faire les quêtes ensemble, etc. Et c'est grave si on est installé sans le lien. Alors, techniquement non, rien n'est grave, c'est juste qu'en fait si vous passez par mon lien, donc le lien qui est dans le chat, dans la bio Twitch ou dans la description de la chaîne Rediff ou dans le tweet que j'ai mis, moi je gagne, enfin vous apparaissez en bas en fait, vous voyez tout en bas du chat là sur la Rediff, il y a level 5 0 sur 65. Et si vous êtes passé par mon lien, dès que vous atteignez le level 5, vous avez une petite animation qui se déclenche et moi du coup ça fait que la marque compte cette inscription de votre part de mon côté et ça leur fait, alors je crois que si on atteint les 50, je gagne un bonus de sous-sous. Alors, c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est une option, mais disons que en passant par mon lien, ça vous permet d'avoir une récompense en plus, parce qu'il y a un code promo. Enfin, le code promo, je crois que vous pouvez l'avoir même si c'est pas par mon lien. Mais en gros, faut juste vous inscrire sur le PC avec le jeu. C'est le but. J'ai téléchargé via ton lien. Oui! Exactement, Arwin, c'était ça. Je vais réinstaller du coup. Alors du coup, voilà, alors je n'ai pas encore installé, donc je ne peux pas encore créer de clan, mais vous pouvez l'installer en même temps que moi, ou jouer en même temps que moi, et on atteindra le niveau 5 ensemble, et on pourra se rejoindre à ce moment-là, hein. Ou alors me rejoindre, faire ça tranquillement de votre côté en rediff, pour que mardi on puisse rejouer ensemble, etc. De toute façon, je vous mettrai le lien encore une fois en description pour la team rediff, hein. Mais du coup, j'aime trop! Alors, de toute façon, moi, j'ai pas encore créé mon truc, alors... Alors, ils m'ont prévenu, par contre, que, en fait, de base, c'est un jeu mobile. Donc, vous savez, il y a du temps de construction. Genre, des fois, pendant 10 minutes, on va rien pouvoir faire. Alors, 10 minutes, c'est pas tout de suite, mais vous voyez, pendant 10 minutes, bah, il va falloir attendre que ce soit construit, ou il va falloir attendre que des troupes reviennent, etc. Et donc, dans ces cas-là, bah, pendant 10 minutes, on va tchatcher. Donc, en fait, c'est un mélange de stream, just chatting, et jeu en même temps. Alors, le jeu est aussi sur tel, mais pour avoir l'animation en dessous, c'est sur PC. Effectivement. Vous pouvez, il existe sur tel, mais on va dire que le stream là, la l'OP, elle fonctionne sur le jeu PC. Uniquement. Trahison. Par contre, il y a un code promo qui est avec.
Et pour le coup, le code promo, il marche, je crois, quels que soient vos comptes. Il me semble, hein. Il me semble. Mais ça, c'est vraiment bonus pour vous. Ça n'a rien à voir avec mon opération, pour le coup, sponsorisée. Alors, allons-y. Après, je crois que même si vous avez un compte sur un mobile ou quoi, vous pouvez quand même rejoindre mon clan. Si, vous pourrez rejoindre mon clan, même si vous êtes sur tel. C'est juste que je crois pas que vous aurez la petite animation en dessous. Je crois que c'est ça. Il me semble. Je tâtonne moi-même, hein, mais normalement, si. Alors, voyons voir. Bienvenue sur Rise of Kingdoms. Le voyage de votre civilisation commence ici. Des profondeurs de l'obscurité au sommet de la légende, vous serez l'auteur de l'histoire de votre civilisation. Allez-vous conquérir le monde entier à coups de guerre épique? Ou devenir un leader de renom grâce à votre sagacité? C'est tout moi. Allez-vous explorer l'inconnu tel un pionnier? Ou vous battre pour les bénéfices de votre propre peuple? Le temps le dira. Le succès d'une grande civilisation dépend des choix avisés de son leader et son destin est désormais entre vos mains. Et maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il y a 13 civilisations. The God of knowledge treats all. Alors, il parle en anglais. Oui, il parle en anglais. C'est pas grave, c'est écrit en français, donc on s'en fout. Et donc, en gros, au début, on a le choix entre les 13. Alors, il me semble... Attends, je baisse un peu le volume du jeu, j'ai peur que ça vous fasse un peu trop fort. Il me semble que dans le jeu, on pourra en jouer plusieurs, mais il faut bien choisir par laquelle commencer. Le jeu est totalement gratuit. Alors, c'est pas un pay to win. Mais c'est plutôt, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros tu peux payer pour avoir des avantages, mais tu peux aussi jouer sans payer. Tu vois ce que je veux dire? C'est en gros ce genre de jeu auquel je joue, parce qu'en général, quand je suis satisfaite, je paye tant pour soutenir les créateurs que pour mon plaisir à moi, mais je joue sans payer pendant un très long moment en général. Faut le même guerrier pour être dans ton clan ou aucune incidence. Je crois pas qu'il faille être le même, non. Ouais, c'est ça, Titi. Pay too fast, exactement. Vous êtes beaucoup plus fort que moi. Du coup, il y a l'Egypte. L'Egypte me hype. Je crois que c'est les nouveaux en plus qu'ils ont installé à la dernière mise à jour. Il y a Rome. Il y a l'Allemagne. Alors, il y a plein de héros. Alors ça, je vous montrerai après parce que c'est ça qui m'a fait craquer. Et tous les héros, en fait, qui sont... Donc là, on en voit un à chaque fois, mais ils en ont plein par royaume. Tous les royaumes... Enfin, tous les héros, c'est des vraies personnalités historiques. Et je trouve ça trop stylé. Du coup, il y a le Royaume-Uni. La France, avec Jeanne d'Arc. Quand même! Bonjour Lorelai! Pour le moment, j'ai pas encore fait de clan. Pour le moment, il faut que je sois moi-même niveau 5 pour en faire un. Là, on a Bjorn Côte de Fer. Pour les Vikings. Il y a la Chine. Il y a le Japon. Il y a la Corée. L'Espagne. L'Arabie. L'Empire Ottoman. Et Byzance. Et je crois que les langues sont vraiment respectées. Hein. Hola, que tal? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Parce qu'en gros, bon, de toute façon, on part sur un royaume de départ. Hein. L'Egypte, j'avoue, ça me hype. Rome, c'est stylé, parce que Rome, c'est quand même genre la base. La France, si on est chauvin, mais ça nous dépayse pas trop. Tu vois? Du coup, ton lien, il peut pas s'installer sur tel. Non, je crois pas. Mon lien, il peut s'installer que sur PC Armin. Ça va si je clique sur le bouton Play on PC et qu'il se passe rien. Ah non, c'est pas normal. Armin, pauvre. Attends, bah regarde, attends. On va te remettre le... Je crois que c'est ça. Ouais, là, t'as le lien, normalement. T'as le lien de téléchargement qui est apparu dans le chat. Alors, sur quoi on part? Chine, c'est stylé aussi, hein. On doit avoir un personnage quand on clique sur le pays, car je vois qu'une fille. Comment ça? J'hésite sur quoi partir. J'aime bien l'idée de prendre la France pour avoir Jeanne d'Arc. En même temps, Jeanne d'Arc, en termes d'histoire, c'était pas non plus... ma préf. Mais l'Egypte, c'est plus des paysans, quoi. J'avoue que je vois que le bienvenu sur Rise of Kingdoms, c'est fixe. Comment ça, Titi? Ah oui, ça bouge pas! Ah, bien vu! Bien vu, vous avez pas l'écran. C'est trop bizarre! Attends, on va régler le problème. Enfin, j'espère. Oui, je sais qu'on va le régler, mais faut que je trouve d'où il vient.
Où tu es, petit jeu? Où tu es? Tu es là. Pourquoi tu me captures que l'écran d'accueil? Ça n'a pas de sens? Ouais, trop près du roi. Ah, attends. Bah non. Ce n'est point logique. Alors, tu sais quoi, on va contourner le problème. On va... alors, attends, du coup, je vais supprimer ça, parce que ça ne me sert à rien. On fait une petite minute de... Bah oui, du coup, vous avez rien vu de ce que je vous ai montré. Je comprenais pas ce que vous me disiez, en plus. C'est à votre... Bah, comment ça, c'est fixe? De quoi il me parle? T'inquiète. Alors, game capture. Ajoutez plutôt une autre source. On va essayer. On va faire des tests, hein. Bah, vous voyez pas tous mes bonhommes depuis tout à l'heure. Recherche de jeu. Capturer une fenêtre spécifique. Alors, je comprends pas pourquoi il veut pas me la prendre, par contre. Il me voit pas le jeu. Alors, je pense que ce que je vais faire... On va faire un truc simple, c'est qu'on va faire une capture d'écran. Ça va être... Alors, ça va peut-être être un poil plus long. Mais en vrai, au moins, il y aura pas de problème. Parce qu'en gros, il veut pas... Ma fenêtre, il ne la détecte pas. Donc, on va le faire en sorte qu'il la capte. Méthode de capture automatique, oui. Et écran 1, oui. Terminé. Alors c'est normal, pas de panique. Je vais ranger ça. Hop, voilà. Et on va diminuer ce bazar. Et recadrer ça. Ah ouais, non, mais faut se débrouiller. Non mais, de toute façon... C'est en tâtonnant qu'on trouve. Alors attends, je vais enlever le dessus qui sert à rien. À droite, on va mettre 10. Voilà. Tant qu'à faire. Mais vous voyez Jeanne d'Arc maintenant. Bah oui, la pauvrette. La pauvrette, t'es pas vue. Voilà, on va mettre un petit peu à gauche aussi. On va mettre 50. Ouais, 60. Ouais, c'est mieux. Ok, et je pense que pour le reste, c'est pas trop grave si on n'est pas dedans. On est pas mal là. Qu'en dites-vous? Ça me semble pas dégueulasse. Par contre, pourquoi mon petit machin, il est... Attends. Ma mascotte, elle est... Pourquoi ma mascotte, elle est dedans? Mais meuf, mais reste en haut. On va la mettre là, la mascotte, elle est bien. On est pas mal. C'est mieux. Bah oui, vous voyez quelque chose. Merci pour le follow, Esmeria. Merci beaucoup. Et merci pour le follow, Lanaïe. Je ne sais plus si... pour le sub, je ne sais plus si je t'ai remercié. Du coup, je vous remontre tout parce que vous n'avez rien vu. Égypte. Rome. Allemagne. Royaume-Uni. France. Viking. Chine. Japon. Corée. Espagne. Arabie. Empire ottoman. Et Byzance. Alors du coup, tais-toi byzantin, tais-toi. Ce qui est cool, c'est que chaque royaume du coup a ses caractéristiques, donc ses propres héros avec plein de personnalités connues en fonction des pays ou des régions ou des endroits. Et du coup, chacune a sa propre architecture, ses propres milieux, etc. Tu vois. Donc sur quoi on part? Sur quoi on parle? J'avoue que Shin me hype. Pas pour le héros, parce qu'il a l'air particulièrement pas sympa. Mais j'adore le côté architecture, ça a l'air super joli. Et Égypte, quoi. Pangodoun ou pas Pangodoun? Non. Le lien en haut qui a épinglé Silaya ne fonctionne pas. Comment ça se fait qu'il fonctionne pas? Attends, je clique dessus pour voir. Si, normalement il fonctionne. Enfin, moi j'ai cliqué dessus. Qu'est-ce qui fonctionne pas chez toi? J'avoue, Égypte, les bâtiments c'est stylé. Ouais, mais Chine c'est stylé aussi. Rome aussi, hein. Si on va pas... Après, Rome c'est connu. Remarque, Égypte c'est connu aussi, hein. On va passer 4 heures à choisir.
Shin, ça me hype aussi, hein. Ah, mais oui, faut être sur PC, je pense que c'est pour ça. Pour rejoindre ton clan, faut avoir le même pays que toi. Non, je crois pas. C'est sûr que c'est que sur ordi. Oui, oui, c'est que sur ordi, le lien. Égypte, fonce sur la Chine. Écoute, on va essayer. Mais c'est vrai que le Japon a l'air chouette aussi. Hein. Oh, en même temps, l'Egypte. Après, alors c'est pareil, on va avoir. Alors, le truc qu'il y a à prendre en compte. Mais oui, tu dois être auprès du roi. C'est que t'as des héros qui sont en rapport avec l'univers. Donc, c'est-à-dire que moi, héros en Chine ou au Japon, je connais personne. Moi, je dis, Thibaut, prends tout ton temps. Parce que, du coup, tu vois, genre, en Royaume-Uni, France, je connais. Mais là, on va découvrir des gars, hein. Parce que, Égypte, on a la chance peut-être d'avoir Cléopâtre. Après, Chine, on peut peut-être avoir Mulan, hein. Oui, tout à fait, les héros ont des particularités différentes. Genre, pour la Chine, augmente la défense des troupes de 3%, la récupération de points d'action de 5%, et la vitesse de construction de 5%. C'est pas mal. Et l'Egypte augmente de 5% l'attaque des archers, donc faut avoir des archers, de 5% des dégâts infligés par les armées ralliées et de 1,5% la vitesse de recherche et de construction. Je pense au début, en vrai, ça c'est peut-être smart, hein. Merci pour le sub Iris, 28 mois c'est dingue, oui, merci beaucoup. Eh ben écoute, voilà, cultivons-nous, partons sur la Chine. Oh, on a une bande-annonce. Ça, vous avez le texte. Our people eventually arrived here. A new world full of hope. Oh, c'est beau. On se croirait dans dinosaures. Si, tu peux avoir tous les bleds, Alicen. We explore. We hunt. And we protect each other. Ouais, nous on se protège each other. Hein. Nous, on va être le clan des choux. Here, our people stand. And the destiny of civilization lies in your hands. Ce regard. Ouais. Les choux clan, grave. Ok. Votre ville. Oh, une madame. As your counselor, I will do my best to offer help. Ah bah c'est gentil madame, parce que je ne connais rien. Je ne sais rien, je ne connais rien, je... Ok. C'est mignon en tout cas. C'est mignon. On veut pas dire. Our people have been living. Est-ce que vous arrivez à lire ou je dois vous lire vous, hein? C'est ce qu'elle parle. But since we discovered this new land, everything suddenly seems full of hope and possibilities. Coucou Aethely. C'est assez petit. Ouais bon, en gros elle dit... Notre peuple a vécu une vie nomade durant une... En attendant, faut que je lui fasse une voix rigolote. Qu'est-ce que je lui fais comme voix? Vous avez une préférence? Choisissez la voix de la narratrice. Après, je pense qu'elle sera surtout là pour le tuto, mais... La secrétaire de Neu, Patricia. C'est pas le même genre. Ah, il y a deux Patricia. C'est notre Jessica de Détroit version Rise of Kingdoms. Ah, j'avoue. MDR is. Bon, on va lui faire une voix normale, on verra après. Hein. On va lui faire une voix un peu sexy. Notre peuple a vécu une vie nomade durant une longue période. Mais depuis que nous avons découvert ces nouvelles terres, tout semble désormais plein d'espoir et de possibilités. Sous-entendu, hein. Now. Ah mais elle parle. J'allais se parler d'abord quand même. On progresse en anglais, hein? En partant de cette petite ville, nous allons finir par créer une grande civilisation sur ces terres. Oh, maintenant, elles sont du sud. Attends. Je suis même pas sûre d'être en vase, attends. Connaître les besoins de votre peuple est le premier pas vers un développement prospère. Notre peuple ne peut survivre sans nourriture. Nous devons tout d'abord reconstruire une ferme pour assurer l'approvisionnement en nourriture de la ville.
ferme. Elle me l'a dit. Si elle l'a dit, je le fais. Oh là, il y a plein de choses. De la ferme. Oh, ici ou ailleurs? Ah, c'est ici, j'ai pas le choix. Genre, elle se bouge pas, quoi. Ok. J'ai une ferme. Collecting food, ok. Waouh. L'environnement... Non, pardon. L'approvisionnement stable de la nourriture est le moyen de garantir le quotidien des citoyens et la clé de notre développement futur. Oh, quelqu'un arrive. Elle est foncée dans la porte. À l'aide! Aidez-nous! Les barbares attaquent mon village! C'est pas loin d'ici, en fait, quelque chose! Oh, il faut qu'on sorte de la ville. Non! Les barbares! Ce village a l'air vulnérable! Prenons-en toute la nourriture et brûlons-le! Oh non! Ils brûlent le village! Ah bah non! Ils brûlent vraiment le village! Eh, c'est bien dommage, mais nous ne pouvons pas les aider sans troupes. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est d'abriter leurs réfugiés. C'est encore plus facile que je l'imaginais. En route! Un autre village est pas loin! Oh là là, c'est dangereux, rentrons en ville. On peut pas buter, il y a trois pécores, sans déconner. Putain. Pauvre village. Ah, elle est piteuse, hein. Ah, les barbares risquent... les barbares risquent de revenir à n'importe quel moment. Nous devons immédiatement entraîner nos propres troupes. Ah oui. Ok. Entraîne-toi. Ah non, 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 j'en serais pas. Ça, je suis une grosse toquée sur les gemmes, hein, sachez-le. Les barbares. Allez, entraînez-vous. Peu cher. C'est bon? Waouh. Well done. Et bien joué! Ensuite, nous devons améliorer notre muraille pour renforcer les défenses de la ville. Mais ça fait sens. Ah, ça me va, Ethelie. Ok. Faut dire que là, les défenses ont pas l'air ouf parce que la meuf est quand même rentrée à travers la porte. Hein. Ça va être un peuple chinois à l'accent du sud. Exactement. 2 secondes, ça va. On n'est pas sur des temps de chargement, enfin de travail trop long. Nous avons désormais une armée, mais un commandant de qualité est la vraie clé de la victoire. C'est bien vrai, elle a raison. On va l'appeler comment? On va l'appeler Manon, évidemment. C'est Manon. Oh, le clan bonne mère, oui. Une taverne nous permettra de recruter des commandants de talent, parce qu'ils seront bourrés, Kong, et du coup, c'est la bonne chose. Alors, voyons voir. Une taverne. Alors du coup, économique, c'était la bouffe. Militaire. Du coup, je peux pas les tout voir encore. C'est le début. C'est le début. Salut, Oxalia. Une taverne, Kong. Ok. 2, 1. Oui. Ok. Ouvrons ce coffret d'or et voyons qui nous allons rencontrer. Oh, vas-y, vas-y, attends. La personne qui sort... Ah oui, mais ça dépend si c'est le mec qui était sur l'écran d'accueil. Si c'est le mec qui est sur l'écran d'accueil, on sait déjà que c'est un vieux... Pensez à tous les nouveaux qui passent sur ce stream. Et bienvenue, Kong. Du coup, voilà, si c'est le vieux, c'est pas fou. Mais bon, si c'est le vieux, ça compte pas. Si c'est pas le vieux, ça va être notre âme sœur, ok? Si c'est le vieux, ça compte pas du coup, parce qu'il est prédestiné, tu vois. Ah non! Ah si, ah si, 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 c'est lui. Donc du coup, ça compte pas. C'est pas notre... Non, mais non, ça compte pas, parce qu'il était écrit, donc... Alors, voyons voir. Parce qu'il y a une petite description, cette fois-ci je vais le lire avec une voix normale, parce qu'il a vraiment existé quand même ce monsieur. Hein. C'est... Sun Zi, infanterie, garnison et compétences. Sun Zi est un général chinois, stratège militaire, écrivain et philosophe, ayant vécu durant la période des Zhou de l'Est de la Chine ancienne. Sun Zi est traditionnellement vu comme étant l'auteur de l'art de la guerre. Oh! On l'avait connu! Un travail d'une influence colossale en matière de stratégie militaire, ayant aussi bien influencé la pensée militaire et la philosophie occidentale qu'orientale. Le travail de Sun Zi a été loué depuis sa composition et employé dans les guerres d'Asie orientale. Au cours du XXe siècle, l'art de la guerre a également gagné en popularité et vu une utilisation pratique dans les sociétés occidentales. Il continue encore d'influencer de nombreuses entreprises compétitives en Asie orientale. Putain, c'est ouf! Je savais pas... Du coup, on a un auteur! On a un auteur en héros, en fait c'était le destin. Non, 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 j'ai pas joué. Alors du coup j'ai eu un tome du savoir niveau 1, niveau 2 et niveau... Je sais pas ce que c'est, mais je les ai eu. Du coup j'ai encore? Je sais pas, ils me disent... Ah non, faut que je clique là, il faut d'abord que je fasse le tuto. Hein.
Oula, quelle voix on lui fait à Sunzi? Il doit pas avoir une voix très sympa, hein. J'ai entendu dire que certains barbares causaient des problèmes. Je vous suggère de faire preuve d'initiative et de leur montrer notre puissance. Ah non, quoique, il est vieux. J'ai entendu dire que certains barbares causaient des problèmes. Je vous suggère de faire preuve d'initiative et de leur montrer notre puissance. Ok. Ok. Nous, on est des bonhommes. Appuyez ici pour chercher des barbares. Je recherche des barbares. Oh, ils sont là! Comment osez-vous? Je vous assure, vous allez leur gratter! C'est très... une punition doit être délivrée. Ah oui, quand même. Ok, mais j'attaque comme ça. Genre... ok. Une nouvelle troupe. Bah oui, c'est mieux parce que là, j'ai rien. Hein. Ah, il y a lui qui va... Oh, il va aller se battre! Eh, mais t'es... Fais gaffe, hein. Et j'ai 1000 guerriers. Ah oui, ça fait beaucoup de guerriers, quand même. Ça fait... Allez, marche. Marchons. 1500 impurs. Bah non, c'est la Chine. Je sais pas quelle est leur... C'est qui ces gens, là? Pourquoi j'ai des gens qui arrivent là? C'est qui, eux? We can't go back. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Nous devons nous battre jusqu'à la mort. Ok, je sais pas qui t'es, mais t'es grave stylé, hein. Bande d'idiots, vous voulez vous mettre sur notre route? Alors le moment est venu pour nous de mourir. Enfin, pour vous, c'est un lapsus. Ah ouais, je vais t'aider. J'arrive, belle meuf sexy. Allez, on marche. Marchons. Il va se battre, papy. Ah ouais, il se bat, c'est un commandant, hein. Du coup, je l'aide là, hein. Je m'en rends pas compte. Ouais, je crois que oui, hein. Oh, ils sont en train de se faire fumer. Par contre, on a un peu mal aussi, nous, quand même, hein. Waouh. Vous avez eu de la chance cette fois-ci, vous verrez bientôt, on va pas revenir, hein. Ces barbares ne sont qu'une masse désordonnée et s'effondreront dès le premier coup. Retournons donc en ville. Je dois dire que vous êtes bien la personne la plus brave que j'ai jamais rencontrée. Permettez-moi de rejoindre votre armée et de me battre à vos côtés. Ah, ça y est, le vieux va pécho. Ah, pardon, Sunzi, je veux pas être désobligeante, hein, mais... Ok, on a... Elle a pas de nom? Ah, c'est une catégorie, en fait. Serpent de l'ombre. Les tireuses d'élite, comme leur nom l'indique, étaient des femmes douées dans les tirs de précision et utilisant des armes de projectiles précises pour tirer sur des cibles importantes, à une distance plus élevée qu'à l'accoutumée. Au sein de l'armée, les tireurs-tireuses d'élite étaient parfois rattachés à une unité de fantassins ou une escouade qu'ils soutenaient en lui fournissant de longues tirs distances précises sur des cibles importantes au moment opportun, ce qui augmentait l'efficacité tactique de l'unité en question. Au cours du Moyen-Âge, la première utilisation du terme « tireur d'élite » fut employée sur les archers royaux ou les archers de la garde d'un palais. Comment je vois la suite? Parce que j'ai pas tout là. Qui était un, on ne sait pas, on ne saura jamais. Tristesse! En tout cas, elle est avec moi. Ça, c'est bien. Ils rentrent à la maison. Rentrez à la maison, mes petits poulets! Ils rentrent à la maison. Ouais, ils sont rentrés, c'est bien. Ok, on est chez moi. J'aime bien qu'il y ait des femmes soldats. Ouais, grave. Attends, j'allume la lumière. Ouais, elle a pas de nom, mais parce que c'est une... Il fait déjà nuit, quoi. 15h30. Bonjour, Gaïa! Oui. Gouverneur, vous vous êtes affirmé comme un leader distingué grâce à cette performance impressionnante. Vous êtes le héros du peuple. Les barbares ont tout temporairement chassé, mais nous devons toujours nous dépêcher d'accroître nos forces et de développer notre ville. Veuillez suivre la quête pour construire votre ville. Oui, faisons ça. Faisons cela. Améliorer l'hôtel de ville au niveau 2. Ah bah allons-y. Améliorons. Pour le moment, ça va. Le tuto est clair. Le tuto est simple. Oui! Attends, mais je peux déjà réclamer. Ah, je peux pas, donc je suis encore sur le tuto. Explorer un bloc de brume sur la carte. Il semblerait bien que nos efforts aient payé. Certains villageois ont décidé de nous rejoindre pour faire face à la menace ensemble. Ah, il y a un truc sur la bouche. Gouverneur, nous avons une grande connaissance de ce mystérieux cœur qui fait de nous les candidats parfaits pour vos éclaireurs. Mais je veux rire, mais qui éclaire avec un truc sur la bouche en même temps?
Un camp d'éclaireurs, mais bien sûr. Par contre, la bouffe, ouais, ça... Ah oui, ah oui, j'ai 99 000 bouffes, 94 000 bois, 350 trucs rouges. Allons-y, éclairez-nous. L'éclaireur est une unité spéciale qui peut vous aider à explorer la brume, sonder des endroits inconnus et obtenir des informations. Bah go, mec. Waouh, ok. Va explorer. Vas-y, je t'envoie de ouf. Pataclope, 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 pataclope. Allez, c'est long. Bah, je peux peut-être faire autre chose en attendant. Non, je peux pas. Ah non, mais c'est parce que c'est le tuto, toujours. L'éclaireur va automatiquement explorer cette zone. Vous serez informé s'il fait des découvertes. Retournons donc en ville et poursuivons notre travail là-bas. Ok. Ah, j'ai de la bouffe! Je peux pas récolter parce que c'est le tuto. Oui, je récupère de la bouffe. Enfin, du bois. Ok, je peux pas... Ah, ça y est, je peux réclamer. J'ai amélioré la muraille. J'ai recruté mes élèves trucs. Et développement durable. Ah bah, je veux, hein. Très écolo, hein, la Thibaut. Hein. Ok. Waouh. Il faut que je construise un champ de tir à l'arc. Que j'améliore le moulin à bois au niveau 2. Que je terrasse une troupe de barbares sur la carte. Que je saisisse mon pseudo dans le profil du gouverneur. J'ai même pas encore de pseudo. J'ai même pas de compte. Oui. Ok. Voilà. Waouh. Ok. Waouh. Ça y est, je suis dans le vrai jeu là. Là, je suis dans le vrai jeu. Ça y est, je panique. Il y a trop de trucs. On peut pas faire pause. Bah non, on peut pas faire pause. C'est en direct. Ah, je panique. Tu t'appelles user contre... Oui. C'est pas fou ça. Gouverneur. Non, non, mais il me faut un nom là. Vous pouvez dire trois. Bah attends. Queen. Thibaut. Voilà. Non mais quand même, faut pas déconner. Je... Queen ou pas queen, hein. Moi je suis queen. Ah, on peut mettre une photo. Waouh. Je suis queen et je suis trop bonasse. Non mais non, je suis une femme pareille. Je suis une femme mariée. Oh oui, Dia de los Muertos. Voilà, très bien. Oh, je peux mettre ça. Bah oui, c'est plus joli. Bah oui, tant qu'à faire. Pimpons-nous, pimpons-nous. Par contre, j'ai pas de compte, genre j'ai pas de mail, rien. C'est juste. Ok, à plus d'infos, commande entre tous, succès réglage. Ok, ça doit être là-dedans. Quinty. Ok, alors là, il y a plein de choses. C'est quoi ça? Guerre des ruines, où je pense que je suis pas encore prête émotionnellement à vivre une chose pareille. Hein. Donc, en fait, alors le truc, c'est que apparemment, c'est un jeu où il y a énormément d'events. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. À faire en fait. Et t'as tout le temps plein de petites quêtes, plein de jeux, plein de trucs comme ça. Et du coup, ça donne grave envie quoi. Ça par exemple, tu vois, t'as 15 jours avec cette quête là. Collecter 20 000 ressources dans la ville, entraîner 2000 limités. Donc ça, techniquement, ça doit pas être très compliqué, tu vois, mais. Et t'as aussi des quêtes quotidiennes. Attends, j'ai vu. Attends. Où c'était? J'étais où? Là peut-être? Ouais, là ta quête quotidienne et quête hebdomadaire. Ok! Ça me plaît ça. Parce que je sais que moi, un des gros problèmes que j'ai, je trouve, dans les jeux comme ça, c'est souvent que ça manque d'events. Notre Thibaut et la Queen, en effet, nous sommes les habitants de son royaume. Ah bah vous serez les Queens aussi, hein! Alors, là c'est toutes les. Alors ça c'est bon, je l'ai fait. Ça c'est un rappel de mes quêtes, d'accord. Très bien. Rentre, tu me stresses. Ça, c'est quoi? Waouh, ok. Ça, si je veux payer, je peux avoir ce truc-là, d'accord. Ça, c'est en gros les options payantes. Oui, voilà, tu peux prendre des abonnements. Tu as des... Oui, bah ça... Oh, j'ai un truc gratuit. J'ai un truc gratuit, je prends. Quand c'est gratuit, je prends, hein. Ça, sachez que... on est simple chez moi, hein. Donc là, c'est payant. Tout ça, c'est des trucs payants, en fait, hein. Comme tous les jeux de ce genre-là, pas de surprise. Ok, là il y a encore un truc. Ça me stresse quand j'ai des notifs que je n'arrive pas à enlever. Là c'est quoi? Calendrier des événements. Waouh, il y a vraiment beaucoup d'events. Appelez-moi Princesse Pompon du royaume de Queen Tibou. Alors c'est quoi ça? Ça c'est tous les événements. Donc il y a trois événements en ce moment. On a la date là. Ok. J'y vais comme ça m'enlève les notifs. D'accord. Putain, il y a plein de choses.
Et t'as les Evan du coup qui vont commander. Ah bah du coup je peux réclamer ça, très bien. Juste parce que je me suis connectée, ça me va. Et là c'est du coup des Evan qui vont commencer à partir de demain. En vrai il y a plein de bails hein. La vache. Ok, alors qu'est-ce que je suis censée faire? Attends, je finis d'explorer mes trucs. Ça c'est mes héros. D'accord. Puissance de commandant 2500. Puissance de commandant 700. Ah, c'est un petit kiki. Et il y a tout ça comme héros à recruter dans cette nation-là, on va dire. Ah non, pas forcément dans celle-là. Là, t'as tous les héros en fait que tu peux choper. Putain, il y a du choix, hein. Je dois être auprès du roi. Jeanne d'Arc. L'appli est pas dispo pour mon appareil. Oh non, faut aller sur le PC. Ouais, oh, y'a Mulan. Y'a vraiment Mulan. Oh, je suis refaite. Ok, ça c'est les héros. J'ai deux messages, trois messages. L'événement œil pour le talent est en cours. Utilisez des marques du champion pour soutenir les alliances que vous voyez décrocher le titre de champion et gagner. Bon, écoute, je réclame, je sais pas ce que c'est, mais je prends, c'est gratuit. Là c'est parce que j'ai mon hôtel de ville niveau 2, du coup j'ai des cadeaux. Et bienvenue dans le jeu, du coup j'ai un bouclier. Ok, soit, très bien, ça me va, je prends les cadeaux. Là c'est mon inventaire. There are many different items you may acquire from time to time. Click here to view your complete inventory. Non, Yulax, en vrai je pense que c'est pas si compliqué hein. Il y a de nombreux objets que vous pouvez acquérir de temps à autre. Appuyez ici pour voir votre inventaire complet. Ces objets de ressources sont protégés, même lorsque votre ville est mise à sac. Utilisez-les intelligemment pour accéder à pour accélérer votre développement ou récupérer après une guerre. Eh ben oui. C'est quoi le boost? Active un bouclier qui protège votre ville pendant 8 heures. Ah, c'est pas mal. Mais j'ai pas envie de la protéger pour le moment parce que tout va bien, mais... Ok. Et là, c'est quoi? C'est pour construire. Moulin à bois et champ de tir à l'arc. Alors du coup, si je me trompe pas... Alors, les quêtes, elles sont là. Oh, c'est un autre truc, ça. Oh, il y a tellement de choses. Moi, j'adore. Honnêtement, j'adore. Après, effectivement, il faut le temps de ne pas être paumé. Mais le fait d'avoir autant de choses à faire, je trouve ça hyper cool. Du coup, mes quêtes sont là. Donc, je dois construire un champ de tir à l'arc et améliorer le moulin à bois au niveau 2. Pour le moment, j'en ai même pas 2. Hein. J'ai même pas le moulin à bois, d'ailleurs. Alors, allons-y. Je vais construire le moulin à bois. Parce que le pauvre... Du coup, je peux le placer où je veux. Ah, il va aller... Bah, il va aller là. Il est sympa, là. Je peux le tourner? Non. Je peux pas le tourner. C'est triste. On va mettre le moulin à bois... ici. 2, 1... Oui. Et du coup, faut qu'il soit niveau 2, donc je le mets niveau 2. 200 bouffes, ça va, j'en ai 119 000. Ça va. Je crois qu'elle a existé, Mulan, princesse, hein. Elle a été romancée derrière, mais il me semble que la personne a existé, non? Ok, du coup, j'ai ma quête secondaire. Oui, je gagne 252 bois, c'est cool. Du coup, je dois construire un champ de tir à l'arc. Mais j'aime bien faire les quêtes secondaires avant. Améliorer de la réserve au niveau 2. Terrasser une troupe de barbares sur la carte. Recruter 100 unités d'infanterie. Récupérer des récompenses de villages tribaux. Améliorer les commandants. Comment je peux améliorer mon commandant? Alors déjà, ma réserve, c'est quoi? Ça, c'est camp d'éclaireur. Ça, c'est la taverne. Ça, c'est la réserve. Vas-y, jamais. Il est essentiel d'améliorer la réserve. En faisant cela, vous allez améliorer notre capacité de protection de ressources. Bah, ça tombe bien, c'est ce que je compte faire. Ça va, pour le moment, je manque pas de nourriture. Je manque pas de... Oui, mais là, elle a vraiment existé. Ah oui, voilà. Là, mon objectif, moi, c'est d'atteindre le niveau 5 pour que je puisse créer un clan et que vous me rejoigniez. Hein. C'est mon goal, ok? 3, 2, 1... Oui! J'aime bien faire les quêtes secondaires d'abord. Je sais pas, ça me... Tu vois. Améliorer un camp d'éclaireur au niveau 2. Après, un champ de tir à l'arc, c'est important aussi. Hein. Comment je fais pour améliorer mon commandant? Commandant! C'est où? C'est là? Pas du tout. Waouh, où je suis? Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est des campagnes. Non, sors-moi de là. C'est là.
C'est pas là. Ah, c'est pour créer des alliances, ça. Oui, non, mais... Ah, attends, je peux ? Je sais pas si c'est ça que je dois faire. Attends. Ah, il est là. Comment je fais pour l'améliorer, Coco ? Ah, c'est des livres d'XP. Ou alors, il va se battre. Je pense qu'en se battant, il gagne des points aussi. Bon, en tout cas... Mon champ de tir à l'arc. On va le mettre là. Disons que c'est l'équivalent d'Arthur, c'est une héroïne de légende. Ouais, enfin Arthur, il n'a pas vraiment existé, je crois. J'ai construit un champ de tir à l'arc, oui. Qu'est-ce que je dois faire après? Entraîner 20 unités d'archerie. J'entraîne 20 unités d'archerie. C'est des frondeurs. Je me sens trop en te battant. Ouais, je pense que alors comment je vois pour avoir tous mes gars par contre? Ça c'est mon mur, ok. Ah mais il y a des trucs autour. C'est d'autres maisons ça. Regardez, un camp de bûcherons. Il y a 5 types de points de ressources sur cette terre riche. Terres agricoles, camps de bûcherons et les dépôts de pierres, d'or et de gemmes. Vous pouvez envoyer à tout moment vos troupes pour récolter des ressources. Les unités de siège sont souvent un bon choix. Bah grave, on va collecter, hein. Alors du coup, c'est moi qui choisis nouvelle troupe. Et bah... Alors comment je peux choisir quelqu'un d'autre? Ah, je peux choisir l'autre aussi. Bah je vais l'envoyer lui. Pour découvrir, ne prenons pas de risques, hein, je prends mon plus fort. Hein. Mais c'est d'autres gens, ça, en fait, autour de moi. Elle a changé d'accent, Alice. C'est mieux d'augmenter les personnages avec les items que t'as. Ah ouais? Ah, du coup, entraîner les 20 unités d'archerie, c'est fait. C'est qui à côté de moi? Ah, c'est des barbares? Et là, du coup, il faut combien de temps? Ah, mais du coup, là, ils sont en train de réserver... genre, ils me cueillent des trucs. Ah, il y en a pour 5 minutes. Mais du coup, genre là, il y a des barbares. Et je vais pouvoir taper les barbares. Ah, bah oui, mais attends, parce que là, ils sont en train de récolter du bois. ils peuvent pas tout faire en même temps. Comment je sais mon niveau? Genre, je suis niveau 0, c'est ça que t'es en train de me dire? Je le dis bien, y'a pas de problème. Tout ça, c'est des gens autour. Ouah, y'a du peuple quand même, hein. Alors, attends, donc terrasser des barbares. Ah, je peux améliorer le camp pendant ce temps-là. Il voulait améliorer le camp d'éclaireur. Tant qu'à faire. Et mes bonhommes, moi, ils sont là-haut. Oh, ils vont me récolter 10 000 bois quand même, hein. Ton niveau, c'est le niveau de ta mairie. Ah, dès que j'ai amélioré mes trucs. Ah, du coup, peut-être que j'améliore ma mairie. Parce qu'il faut que, je sois niveau 4 pour faire un clan, je crois. Ah ouais, Alice? Bah allez, de toute façon, on a de tout, donc... On peut utiliser deux objets pour améliorer le processus. Ouais, mais... Ah là, il faut que je le fasse. Ouais, non, on va pas le faire. Pour 5 minutes, ça va. Je suis une grosse radine, hein. Clairement. Vraiment... Vraiment... Je suis une pince, hein. Ça ne surprendra personne. Et... Ok. Du coup, après, il faut que j'aille me battre, j'ai hâte. Mais en vrai, du coup, j'aurais pas dû envoyer tout le monde récolter. Genre, j'aurais pu envoyer que la meuf toute seule. En fait. Bah, de toute façon, en plus, techniquement, le jeu, on va alterner entre des moments où on papote et des moments où on joue, hein. Parce que... on peut pas être partout... Et je peux construire deux trucs en même temps ou pas? Ah, j'ai un hôpital. C'est bien, ça. Taverne. Ils me disent d'améliorer la taverne niveau 2.
Ah, et ça va après. Ok, d'accord. C'est l'un après l'autre. Restez là, les barbares. Partez pas. Hein. Il est bientôt disponible. Coucou, Whiskini. Salut, Maët. Et recruter 100 unités d'infanterie. Ah, je peux en recruter plus. Pourquoi c'est 20 à la fois, par contre? Vas-y, entraînez-vous, les gars. C'est bien. T'as des boosts de construction. Ouais, mais bon, pour 5 minutes, je me dis, je vais pas les utiliser tout de suite. Parce que oui, j'ai vu dans l'inventaire. C'est ça. Ah non, c'est ça, accélérateur. J'en ai un. Je voulais pas l'utiliser. Réduit de temps de file d'attente. Ouais, ça réduit des files d'attente de 1 minute. Ou de 5 minutes. En vrai, je pense que ça, ça se passe facilement. Hein. Quelle loi vas-tu instaurer dans ton royaume pour le début de ton règne? Tout le monde doit être gentil, sauf avec les méchants. Oui, j'ai recruté les tireurs d'élite. La taverne, du coup, c'est en attente. Très bien, en vrai. Recruter 100 unités d'archerie? Ah oui, quand même. Et améliorer un commandant au niveau 3. Bah du coup, faut que j'améliore... Non, mais je vais pas améliorer elle, je vais améliorer lui. Ah, j'en ai 13 en plus, bah très bien. Ça va, en vrai. Voilà, il est niveau 3. Il se la pète un peu, mais... Oh, du coup, il a 2 points de talent. Oh, mais c'est trop bien! Les héros, ils ont des arbres, comme dans les persos de RPG. On peut retirer les arbres pour faire de la place. Déforestation! C'est une chanson... Ok, princesse, je savais pas du tout. C'est intéressant. Chaque commandant dispose de son propre arbre de talent et reçoit des points de talent à chaque montée de niveau. Vous pouvez toujours utiliser des objets pour réinitialiser des arbres de talent. Ok. Oui, ok, j'ai compris qu'il y a une quête secondaire terminée. J'ai compris. Waouh. Du coup, je vais vers garnison, infanterie. Bah, plutôt vers infanterie. Genre, il est spécialisé dans infanterie, lui. Bah oui, bah autant le progresser là-dedans, non? Je ne sais pas, hein, mais... Alors du coup, vers où on va? Augmente de 0,5 les dégâts d'attaque normale. Lorsque l'armée dirigée par ce commandant a été réduite de 50% de sa force, sa défense de toutes les troupes augmente de 200, mais nous, on va pas se faire poutrer, donc il n'y a pas besoin. Les attaques normales donnent 3 points de rage supplémentaires. Les unités d'infanterie menées par ce commandant affichent 3% de dégâts supplémentaires aux unités de cavalerie. Oh, bonne question, hein. On va partir sur ça, tiens. Et voilà, j'ai utilisé mes 2 points. Ça va vite, hein. Bisous, Arminou. Gave King, c'est pas trop pour moi. C'est pas trop pour moi. Waouh, j'ai fini trop de choses. Trop bien. Alors, attends. Déjà, j'ai du bois. Ils sont où, mes bonhommes? Vous êtes encore là-bas ou... Ah non, ils sont rentrés, ils ont dit. Ah bah, je peux collecter. Hop. Alors, on va se battre. Ah non, ils sont niveau 7. Ouais, on va peut-être se calmer. On va peut-être se calmer fort quand même. Ah, je peux les rechercher, les niveaux 2. Oh, je peux rechercher où ils sont. Ah bah, il y en a là. Ah bah, ils étaient pas loin, dis donc. Eh bah, on va aller les attaquer. Tu vas y aller, soon. Merci Bigoudi. Ah oui, déjà 6 mois, je viens d'arriver, je faisais de la philo avec un replay de Read With Me, mais je fais une pause pour manger, du coup j'ai réussi pendant ma pause de jouer à leur fun. Oui, venez donc jouer avec moi. Allez, victoire assurée. Ah, j'aime lire ça, vas-y. Par contre, il y a les autres qui sont vraiment pas loin. Hein. Ouais, niveau 7, restez loin quand même. Hein. Mais attends, mais du coup, les niveaux 7, ils sont avec moi. Eh non, mais les gars... Ah, on les snob en fait. Ouais, c'est peut-être plus mal. Peut-être pas plus mal. Ouah, j'ai réussi trop de quêtes. Terrasser des barbares de niveau 2. Ah, du coup, j'ai gagné quoi? 5 tomes du savoir. Ah, c'est bien, c'est pour augmenter les niveaux. Terrasser une troupe de barbares sur la carte, c'est fait. Améliorer un commandant, c'est fait. Récolter 1000 ressources, c'est fait. Récolter 2000 ressources, c'est fait. Récolter 1000 unités, c'est fait. Récolter 2000 unités, c'est fait. Ah, j'ai trop de trucs.
Trop bien. En même temps, on peut dire que j'ai récolté beaucoup de trucs, là. C'est tous les trucs que j'ai récoltés. Boum, boum, boum. Parfait. Et là, terrasser une troupe de barbares sur la carte et récolter 5000 unités de bois. Yeah. Et on a un coffre. De la bouffe et des boosts. C'est très bien. C'est très, très bien. On les snob. Ah, bah là, on a fui surtout, je pense. On a clairement fui le truc. Hein. Entraînement achevé pour 20 guerriers. Mais c'est très bien. Ah oui, du coup, je peux les soigner. Parce qu'ils sont blessés. Soignez-vous, mes petits poulets. Soins achevés. Très bien. Mais du coup, je l'ai fait, non? Ah oui, c'est fait. Fallait juste le temps que ce soit terminé. Du coup, alors attends. Soigner et collecter. Ok. Construire un moulin à bois, c'est fait. Putain, il y a plein de trucs. Améliorer l'hôtel de ville au niveau 3. C'est fait, ma gueule. Construisez un centre d'alliance. Je ne sais pas ce que c'est. Faut améliorer la taverne au niveau 2. Terrasser 2 troupes de barbares sur la carte. Recruter 100 unités d'infanterie. Oh là là, il y a des choses à faire. Hein. Il y a plein de choses à faire. Alors, unités d'infanterie, c'est eux. Non, ça c'est eux. C'est eux. Il me faut des unités d'infanterie, les gars. Bougez-vous le fion. il me faut un centre d'alliance. Attends, j'ai des mails. Ouah, c'est une analyse de mon combat. Ah oui, quand même. C'est... Eh, mais du coup, ça, j'ai pas fait le deuxième combat. Et rapport de collecte. Ok. Et j'ai re une récompense parce que j'ai le zèle de ville niveau 3. Ça en donne des récompenses, hein, la vache. Oh, centre d'alliance vous permet d'obtenir de l'aide de vos amis. Ah bah ça, c'est bien, ça. Parce que vous allez être mes amis. Vous l'êtes pas encore, mais vous allez l'être. Ça va vite, ça va vite. Ouais. Centre d'alliance. Ah, du coup, faut que j'augmente ça. Ah non, je peux pas encore. Our city is fast developing under your brilliant leadership. Oh, on n'est pas loin de l'âge de bronze. Ah bah c'est rapide. C'est pas un peu serré? Si, Mirourou, c'est bien quand c'est serré. Ok, donc j'améliore le mur. J'ai déjà fait l'avatar. Faut peut-être d'abord que je batte un peu de barbares, hein. Parce que là, si on passe à l'âge de bronze alors que je suis pas cap, ça va être compliqué, hein. Mais oui, titre, bien sûr, titre. Évidemment, titre. On améliore notre mur. Très bien. On va peut-être recruter encore des archers, non? Ou alors je l'améliore. Mais ils me disent pas de l'améliorer. Hein. Ils me disent de terrasser des barbares. Hein. Ça, mais là, il est niveau 7. Je peux d'abord battre les niveaux 3 en barbares. On va rechercher les barbares niveau 3. Il y en a... Oh là là, c'est pratique. Allez, en attaque. Nouvelle troupe. Vas-y. Poutre-lui le cul. Comment on fait pour rejoindre ton clan? Pour le moment, je n'ai pas encore de clan. Je ne sais pas comment il faut que j'en crée un. Chachata. Allez. Ouais, ouais, vas-y. Oh là là, quel homme. Oh, très bien, on s'en est bien sorti là. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là là, trop bien. Trop bien, bravo, clap clap. Quel combat incroyable. C'était épique, ça s'est vu d'ici, hein. Eux, j'ai hâte de pouvoir les poutrer là, ils m'énervent. C'est bon, très bien, hop. Ah, il faut que j'ai 2 fermes. Bah oui, c'est logique. C'est vrai, parce que là, les fermes, j'ai un truc pour bouffer, quoi. Hop là, très bien. Il me faut de la bouffe. Il me faut de la boostify. Je rentre chez moi. Ah oui, il faut soigner. Soignons. On récolte. Mais on récolte 71, quoi. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Peut-être que je l'améliore, non? Ce qui me dit une autre ferme, une autre ferme. Oui, une autre ferme, mais... Attends, j'ai gagné un truc. Waouh! Ah oui! Oh, waouh! C'est bien! J'ai gagné plein de choses! Ah, je peux avoir une seconde file de construction. Ah oui, il y a plein de choses.
ils me disent une seconde ferme. Je construis, moi, je construis ce qu'on me demande. Hein. Je respecte la volonté. Bonjour, taxi bleu. Ah, j'ai une production de nourriture de 500. Bah, c'est mieux. Ah, mais c'est surtout mieux parce que j'ai gagné 20 000. Hein. Explorer 50 blocs de brume sur la carte. Ah oui, j'avais oublié ça. Alors, améliorer la taverne, terrasser 3 troupes de barbares. Faut que je terrasse encore des barbares. Il faut des barbares. Ils sont beaucoup, là, quand même, hein. Vas-y, rechercher des barbares. Ah bah, ils sont là, très bien. À la tech. Soon. Très bien. Pendant ce temps-là, mes explorateurs, ils foutent quoi? Parce que là, pour le moment, les explorateurs, je les nourris à rien foutre, hein. Je veux pas dire, mais... oui, oui, va explorer, mon grand. Vas-y, voilà. Va dans les brumes. Voilà, très bien. Ah non, parce qu'à un moment, ça va de nourrir les gens qui font rien. Hein. Vas-y. Il y va. Oh, regarde-le qui court face à l'inconnu. Très bien, victoire. Oui! J'ai reçu un nouvel... Mais, alors, c'est bien les mails, hein, mais au bout d'un moment, c'est un spam à ce stade. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, talent! Oh, il a gagné un niveau! Donc il peut bien gagner un niveau en se battant. Très bien. Prochain point. Bam! Ça, c'est bon à savoir, ça. Tu vas te battre tout le temps, Soon. Hein. Je t'informe. Hein. J'ai gagné quoi? Ah, oh, j'ai un peu de bouffe en stock quand même, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, attends, j'ai encore plein de quêtes. Oh, c'est bien, je gagne plein de choses. Battez des barbares. Battez des barbares. Améliorer un commandant niveau 4. J'ai même pas fait exprès. Améliorer la taverne niveau 2. Peut-être que je le fasse, ça aussi, quand même. Hein. Terrasser 3 troupes de barbares. Ouais. Ah, oh, ça, c'est les objectifs journaliers, du coup. Oh, évidemment, il faut qu'on fasse tout, hein. Il faut qu'on fasse tout, aujourd'hui. Minimum. Ah oui, non, mais par contre, ça va être compliqué. Recruter 50 unités de cavalerie. Ah ouais, mais les gars, j'en suis pas là, hein. Alors, c'est quoi le truc vert? Ah, c'est moi qui rentre. C'est bien. Il est allé explorer. Non, mais c'est bien, il a raison, hein. C'est un bon explorateur. Barbare, on a dit. Niveau 5 de barbare. Mais on va chercher, t'inquiète. Ah, pas peur, Attends, peut-être que je les soigne quand même d'abord. Parce que je les ai pas soignés, mes cocos, là. Ouais, regarde. Soigner. Ah, parce que là, ils ont pris cher quand même. Hein. Ils ont pris cher quand même. Merci, Magaya! Merci pour Céleste, Ime, Neitsu, Manon Cake, Johanna et Tomenuska! Merci beaucoup! T'es la meilleure, merci, ma fifi. Ok, je sais pas ce que je fais, mais je clique dessus. Ah, bah, je crois que c'est parce que ça me les a soignés. Collecter 100 unités de bois, c'est fait. Alors, taverne, on va l'augmenter. Est-ce que je demande... Ah non, ça, du coup, faut que j'attende. On va d'abord pimper un peu les trucs. Ils me disent d'augmenter la terra... truc. Et du coup... Mon groupe de barbares, il est là. Chance égale. Ah ouais, c'est pas... c'est pas je leur poutre la gueule, quoi. C'est pas... c'est pas ouf, hein. Recruter 50 unités d'infanterie. Soigner, collecter 50 unités. Faut que je recrute... Ah oui, faut que j'améliore le champ de tir à l'arc niveau 2. Ça me va. Ça me va. Hôtel de ville niveau 3. Bah ouais, mais du coup, le truc, c'est que si je fais ça, là, je peux pas encore. Ah si, je peux. Mais ça veut dire que je passe un cap. Je sais pas s'il faut que je le fasse maintenant ou s'il faut que j'attende d'améliorer les trucs. Ah, je suis à fond aussi, hein. Du coup, ouais, je sais pas s'il vaut mieux d'abord que je continue à me battre. Oh, ma ville, elle a augmenté. Ah non, j'ai cru qu'elle avait augmenté. Parce que là, elle fait grande, mais... je sais pas s'il vaut mieux que je continue à vous faire les trucs. Grave, Jachana, c'est la dualité de l'existence. Yeah! Alors, du coup, est-ce qu'il faut que j'en recrute d'autres? Améliorer les fermes au niveau 3. Mmh.
Ouvrez 3 coffres d'argent dans la taverne. Ah, alors attends. Déjà, les fermes. Ça, je suis d'accord, c'est important. Hop. Et est-ce que je peux pas envoyer... Alors, attends. Parce que normalement... Donc ça, c'est des maisons des gens. Donc on va éviter d'aller dans la maison des gens. Ah, on peut pas encore récolter les pierres. Mais on pourra dans l'âge de bronze. Ok. Donc pour le moment, on peut pas. Oula, calme-toi. Mais on peut dans le bois. Alors attends, pour le coup... Je vais envoyer elle. Mais je peux l'envoyer toute seule ou... C'est pas prudent? Parce qu'en soi, c'est juste pour récolter du bois. Techniquement. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir des gens? Fais-le maintenant, dans tous les cas, c'est 20 minutes. Oui, j'avoue. J'avoue. Je vais augmenter mon truc. Oui! De toute façon, comme t'as dit, c'est 20 minutes, donc... Je vais renvoyer mon explorateur. Allez, va. C'est dangereux que si les clans autour de toi ont des troupes à ce moment-là aussi. Ah. Non, mais on va dire qu'ils en ont pas. On va dire ils en ont pas. Tiens, vas-y avec 50 mecs. C'est, voilà, c'est un petit comité. C'est pour l'aider à porter, quoi. C'est la petite promenade. Voilà. Du coup, envoyez vos troupes 5 fois, c'est fait. Et le bloc de brume, c'est fait. La ferme, c'est fait. Et ça aussi, c'est fait, c'est cool. Et l'hôtel de ville, il est entre... Ah, du coup, l'hôtel de ville, j'ai anticipé, c'est bien. Améliorer la ferme au niveau 3, faut que je m'en occupe. Et 5 troupes de barbares, ça va arriver. Ah oui, il faut que je recrute plus de gars. Faut que je recrute plus de gars. Et que j'améliore mes fermes. Donc, améliorer. Hop. Et améliorer la deuxième parce que... égalité, quoi. J'ai envie de dire. Ah non, j'ai oublié d'utiliser le code promo. Putain, j'ai un code promo, je l'ai même pas utilisé pour moi. Comment on fait? J'ai un code promo, je l'ai même pas utilisé. Plus? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu cliques sur réglage et échange. Réglage. Attends, je vais trouver. Je vais trouver. Réglage. Réglage. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, c'est là. Réglage et échanger. Oh oui, c'est quoi mon code déjà? J'ai oublié mon propre code promo. Play. Rock. 4. PC. Échange du code cadeau réussi. Ah, bah tant mieux. J'ai envie de dire, ça serait quand même couillon de... pas en avoir profité. Elle est rentrée, ma poulette? Ou elle est pas rentrée? Attends, elle est où? Je crois qu'elle est rentrée. Je sais pas. Ah, j'ai dû être prévenue. Compétences. Oh! Chaque commandant a un ensemble de 4 compétences uniques. Une fois que vous avez collecté assez de sculptures de commandants, vous pouvez les utiliser pour améliorer les compétences de commandant ici. Ok. Bah on l'améliore, hein. Voilà, ça me fait plaisir. Et elle, elle a pris ou pas? Pas du tout, hein. Ça te rapporte pas de... D'aller chercher du bois, ça t'a pas rapporté quelque chose? Bois. Nouvelle troupe. Je vais y retourner, mais cette fois-ci avec 30... Oh, bah pas grand monde, mais c'est histoire de lui faire une petite garde rapprochée. Vas-y, va marcher un peu. Tchouk. J'étais à où? Ah, de la bouffe. C'est pas énorme ce que je récolte quand même, hein.
C'est pas fifou, hein. Du coup, ça, c'est bon. Je passe en mode nuit de mon côté. Ah, bah, en même temps, la nuit tombe. Alors, attends, du coup, mon code promo... Vous pouvez tous utiliser le code, hein. Une clé en or. Oh, pour un coffre, un accélérateur de 30 minutes et un tome du savoir niveau 5. Bien. Ok, et du coup, mon fameux rapport de collecte, parce que j'ai récolté... Ah, du coup, elle a bien réussi à récolter... Ah oui, mais du coup, elle a pas récolté grand-chose. Elle a rapporté que 1000 au lieu de 10 000 parce qu'elle est allée toute seule, en fait. Ouais, elle porte rien. Ouais, c'est parce qu'ils sont pas nombreux, du coup, ils peuvent pas porter grand-chose. C'est ça, le... hic. Du coup, d'envoyer avec 100 mecs. C'est ça le problème. C'est que, du coup, elle me ramène 100 bois, quoi. Ok, du coup, j'ai gagné une clé en or pour ouvrir un coffre d'or dans la taverne. Ça va me faire un nouveau gars. Eh ben, écoute, moi, je propose qu'on aille dans la taverne. Parce que... Alors, attends. Améliorer la ferme au niveau 3. Mais c'est fait, non? Ah non! Eh ben alors... Ah, je peux pas parce qu'ils sont tous là-dessus. Faut que j'attende. Oh, ça y est, il fait nuit. Oh. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, il me faut mes fantassins machin là. Entraîner, allez les gars, ça bosse. Et oui, du coup, mes barbares. Chance égale, mais c'est pas assez, moi je veux leur rouler dessus, sinon c'est pas drôle, hein. Attends, peut-être qu'il faut que je cherche, attends. Comment, il y a un onglet recherché. Ah, attends, je vais chercher autrement. Si je fais ça, ouais, c'est là, ok. Je vais chercher du niveau 4. Comme ça, bon, certes, ça va être plus facile, mais au moins je suis sûre de gagner. Allez, vas-y, Soul. T'as pris des récompenses dans tes mails. Oui, oui, j'ai pris Rourou. On approche bientôt. Bientôt, je vais pouvoir faire mon clan. Bientôt. Et du coup, il va falloir aller récupérer pendant qu'eux, ils poutrent les gars. Parce que c'est quand même la priorité de poutrer les barbares. Hein. Genre, voilà. Je vais aller voir dans la taverne. Je sais pas comment on fait. Non, c'est pas ça. Comment j'ai fait pour voir tout à l'heure? C'est quoi, ça? J'ai peur de faire une connerie si je clique là-dessus. Vas-y, soigne-moi ça. Comment on fait pour voir les... Ah non, c'est peut-être l'hôtel de ville. Non, c'est pas ça. Comment on a fait tout à l'heure? Oui, j'ai changé mon pseudo. Conquête barbare. Il rentre à la maison. Oui, c'est bien. Vous rappelez tout à l'heure la salle des coffres? J'ai pas encore d'alliance. J'ai pas le niveau encore. Mes troupes sont rentrées en ville, mais elles vont repartir. Attends, oui, je sais, rapport de collecte. Oui, oh là là, on est trop fort. Mais je sais, vous êtes trop fort. C'est pas une raison pour devenir prétentieux, hein. Allez, on y retourne. Pas le temps de niaiser. C'est là dans la taverne. Ah, et c'est la loupe. Ah, j'étais pas sûre que c'était la loupe. Oula, je vais peut-être un peu trop zoomer. Ah oui, c'est là. Du coup, j'ai 3 coffres gratuits et 1 coffre gratuit. Ouvrons le coffre gratuit d'argent. Je pense pas qu'il y ait de héros là, pour le coup. Alors, les sculptures, du coup, c'est ce qui permet d'améliorer tes héros. La nourriture, c'est très bien. Et sculpture de télé, ok, très bien. Confirmé. J'aime bien faire un par un, ça me... Ah mince, j'aurais pas dû utiliser ma clé. Bon, c'est pas grave, ce sont les là pour ça. Et la prochaine fois gratuite, c'est dans 4, ok. Et là, du coup, j'ai 1 coffre gratuit. Ça fait beaucoup de bouffe. Nice! En vrai, j'ai de quoi les améliorer de ouf, hein. Et alors, samedi, cela dit, ça me disait de ouvrir 3 coffres d'argent. Donc, je sais pas si... Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as gagné encore un niveau, mais c'est bien, mon bichon! Je veux que t'aies ça, moi. Ah, je suis contente, ça.
augmente de 0,5% les dégâts d'attaque normale. On aime. Et elle, bah du coup, non. Eh oui, bah oui, mais se bat pas, donc forcément, poupette. Poupette, elle peut pas être au four et au moulin, hein. C'est bien, du coup, ça m'augmente tes trucs, ça me donne des récompenses, on est content. 8 troupes de barbares sur la carte. Ah oui, on augmente les chiffres, quoi. Mes unités d'archerie. Ouais, tu vas ouvrir 3 coffres d'argent dans la taverne. Mais pourquoi? Alors, le truc, c'est que je dois voir combien j'ai de clés, parce que... J'ai beaucoup de rapports, hein, ça c'est... Inventaire. Après, cela dit, de toute façon... Oh! J'ai des packs de ressources, nice. Les clés... J'ai une clé d'or, mais j'ai pas de clé d'argent, en fait. J'ai pas de clé d'argent. J'ai des bustes. Je peux grave augmenter leur niveau, en fait, à mes cocos. Hein. On va recruter des archers aussi. À 12 minutes! Ah oui, c'est long, là. Mais oui, il faut des hommes. Il faut se battre dans la vie. Salutations, gouverneur. Le temps suit son cours et votre royaume a débloqué une nouvelle chronique. Monde de la Discorde. Touchez voir ci-dessous pour voir plus de détails. Wow! Ah, il faut que je sois niveau 8 pour récupérer ça. Oui, mais je suis pas niveau 8 du tout. Ok. Ah, tu l'as utilisé. Bah oui, mais il me proposait d'en faire un autre. Et il me faut encore une unité d'infanterie. Hop. Regarde. Ils me disent là que je peux ouvrir. Bon, on va attendre 1 minute 50, hein. On n'est pas 1 minute 50 près. C'est pas... Et du coup, mon coco, il allait se battre. Et ben, on va le renvoyer. Enfin, pas le renvoyer, on va le... Vous m'avez compris, hein. Il est où? Voilà, recherche. Voilà, parfait. Attaque. Vas-y. L'amour? Je vais demander un chocolat chaud, j'ai grave envie d'un chocolat chaud. L'amour ? L'amour ? Il avait pas vu l'heure. Il m'avait dit qu'il me ferait, mais il est en train d'installer les étagères. Encore! Oui, bravo! Bravo! Et il faut que je recrute 20 unités de cavalerie. Par contre, ça, je sais pas comment on fait. Hein. J'ai pas encore le... Mais il faut peut-être que je sois au-dessus. En vrai, je peux peut-être utiliser un truc pour aller plus vite. Puisque j'ai plein de trucs de speed. Je crois que tu peux soit attendre d'avoir une ouverture gratuite, soit utiliser une clé à argent ou or pour ouvrir sans attendre. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Ah, grave, Iris. Avec des princes. Il faut construire le bâtiment écurie. Pour être écurie, il faut niveau 4. Ah, ok, bon, bah d'accord. On est coincé en attendant. Après, les boosts, apparemment... J'ai l'impression que les boosts... Après, c'est le début, hein. Enfin, les accélérateurs, je veux dire. Accélérateurs, regarde, j'en ai 50 quand même. Hein. Bon, après, c'est une minute. Mais j'en ai 19 de 5 minutes. Pour un début, je trouve que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ça va vite quand même. Donc, ça, c'est en attente. Ferme, du coup, c'est en attente. On peut faire les troupes de barbares en attendant. Hein. Et ça, par contre, village tribaux. J'en ai pas, moi, autour de moi. Ah, je peux peut-être rechercher. Attends, rechercher. Non, je peux chercher terre agricole. On va rester sur les barbares. Hein. En plus, ça me rapporte de la bouffe aussi, donc...
Il bosse tout le temps, le pauvre. J'en ai utilisé moi. Oh, mais t'as raison. En vrai, c'est juste moi, je suis une grosse toquée. Hein. J'ai beaucoup de mal à utiliser les boosts et les machins. Et comme c'est le début du jeu, je sais pas encore si c'est rare, si ça l'est pas. Donc, bon. Vas-y. Oui. Mais ils meurent, mes mecs, ou pas? Parce que j'ai vu que je pouvais les soigner, mais... Est-ce que ils meurent? C'est ça, la question. De la bouffe, oui. Ah, du coup, c'est encore... Ah oui, lui, il faudra que je l'augmente après. Quand Sean va demander un congé, tu seras foutu. Ah, ouais. Jachana, en vrai... en vrai, oui. Ouais, j'ai gagné un... Une expansion basique d'armée. Oh, c'est quoi? Améliorer la ferme. Du coup, la ferme, je peux pas... Allez, une huitième petite troupe. On va faire une huitième petite troupe de barbares. Je crois que ça les soigne. Hein. Genre, les gens, ils meurent pas chez moi. Personne ne peut mourir. Jamais, jamais, jamais. Allez, vas-y. Poutre-les. On peut pas jouer sur Mac. Ah, shit. VIP 0. Comment je fais pour passer VIP Oh, je peux réclamer un coffre. Vous pouvez récupérer des points VIP chaque jour. Les points VIP que vous obtenez chaque jour augmentent en fonction du nombre de jours de participation successifs. Ok, donc tu peux augmenter ton VIP même si tu payes pas. Ok. Ah bah j'avais fait un jeu comme ça sur mobile. Et c'était très bien aussi parce que tu pouvais augmenter un petit peu. Alors c'était beaucoup plus long bien sûr que si tu payais, si tu payais pas. Hein. Mais du coup c'était quand même satisfaisant parce que t'avais quand même des avantages, tu vois. Et du coup oui, t'as des niveaux. Ok, donc là en gros je suis juste au niveau 1. Donc production de nourriture et de bois plus 3%, mais au niveau 2, bam! Production de pierre plus production d'or plus vitesse de récolte. Ah, c'est sympa! Et forcément, si tu payes, tu vas plus vite. Du coup, via ton centre d'alliance, tu peux en créer une normalement. Déjà maintenant? Tu peux créer un groupe avec le centre d'alliance. Et c'est ce qu'on appelle un clan? Ou c'est autre chose? Ah, je soigne, mes pauvres bonhommes. C'est toujours le même nom, par contre, qui est blessé, je... Oui, 8 troupes. J'ai fait tomber le scotch. Et le coffre de taverne, il va arriver. Ah, du coup, maintenant, on a 10 troupes de barbares. Bah oui, forcément. Je pense que c'est ça. Mais je sais pas si c'est ça. On pourra te rejoindre comme ça. Thibaut, aucun rapport, mais j'ai pas trop suivi récemment, donc je te pose la question. Est-ce que tu joues encore à Disney Dreamlight? Alors oui, mais je suis à jour, en fait. D'ailleurs, faut que je me connecte rapidos pour enlever des épines nocturnes pour finir les quêtes. Mais je suis à jour, en fait, dans le jeu. Tu crois que c'est ça, le truc des clans? En fait, c'est ça que je suis pas sûre. Quête secondaire, cœur vaillant. Yeah! 1 minute 30. Oh! Waouh, t'as vu tout? Hey, t'as vu un peu tous les combats que j'ai fait, quand même? On gère ou on gère pas? Moi, je trouve qu'on gère. Hein. Est-ce que j'envoie pas 200 unités d'infanterie? Ah oui, du coup, maintenant, il faut que j'en recrute encore plus. Je pense bien, tu peux créer une... Alors, tu sais quoi, j'attends juste d'être niveau 4. Comme ça, je suis sûre. Ouais, je les ai eu, Jade. J'étais contente. 1 minute. Une demi-minute. Est-ce que j'ai mon coffre dans la taverne qui est dispo? Oui, coffre gratuit. De la bouffe, on est content. Donc t'as un coffre toutes les 5 minutes. Et un coffre tous les 2 jours pour celui-là. Ah oui, ça pique un peu. Hein. Du coup, j'ai réussi ma quête. Oui, d'ouvrir 3 coffres. Bah, en vrai, j'attends les 30 secondes. Ça fait longtemps que t'as pas fait stream sur le zoo, c'est vrai, et je pense, j'hésite à m'acheter le jeu Pokémon pour faire un stream Pokémon aussi à partir de la semaine prochaine. Ah ouais, Mindy, c'est mieux l'âge suivant? Oh, tu me hype!
Tu me hype. Je vais peut-être pouvoir améliorer aussi mon héros en vrai. Hein. Parce que en soi, genre j'en ai 50 millions des trucs comme ça là. Enfin 50 millions, j'en ai 59. Ouais, on rentre dans le nouvel âge. Oh. Ah ouais. On a même des feux d'artifice. Well done, Governor. On est à l'âge de bronze. Stylé. Merci mon amour. Ouais, c'est cool comme tout. Tu peux m'amener les princes aussi, s'il te plaît. Et un sopalin. Et rembarquer tes enfants. J'ai les trois chats, sans déconner. Ben, ils se sont jetés dans la pièce, mais comme désespérés, quoi. Mais... Ah, c'est le lait chaud. Mais il est trop chaud pour vous, les bébés, là. Ça fait plaisir de jouer en même temps que toi, j'ai l'impression que je suis avec une copine. Oh, c'est mignon. Pour Pokémon, peut-être attendre une mâche sur le jeu avant de l'acheter, surtout pour streamer dessus. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, hein. Entrer dans le nouvel âge est toujours excitant. Construisez une écurie pour entraîner une cavalerie rapide ou aller à l'académie pour rechercher les dernières technologies. Waouh! Du coup, niveau 4, bam! Et on a eu des gemmes en plus, ça c'est cool. Alors, ouvrir 3 coffres d'argent, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et on a le deuxième coffre du coup des quêtes journalières. Très bien. Faut vraiment les utiliser, je pense, les passes d'accélération. J'ai pas de cux, donc je fais mon lait seul. Bah, c'est bien aussi. Donc, construire une carrière. Améliorer la... Alors, les fermes, faut que je les fasse. Alors. Les fermes, j'ai dit que je les améliorais. Ah oui, du coup, j'ai pas de fil de construction. J'en avais pas un tout à l'heure ? Ah, c'est possible, Jashana, c'est possible. Merci, mon amour. Tu peux embarquer tes enfants. Tu manges quoi? Mochi. Un mochi mochi? Périmé. Périmé? Ah, c'est moins ouf. Il est bon quand même? Non. Ok. Il y en a qu'un? Il est cool, Gigi. Ça fait du bien. Du coup, carrière. Par contre, ma ville, elle est petite quand même. Hein. On va la mettre là, ça doit faire du bruit pour les gens. Ah, mais je sais pas si ça passe là. C'est rouge, j'ai pas l'impression que ça passe. Ouais, non, faut que ce soit vert. Bon, allez, on va le mettre là. Off. J'aime bien le bruit. On peut déplacer des bâtiments ou pas après? Ah, il me propose de voir l'alliance. Bah non, mais faut que je crée la mienne, mais c'est gentil de m'avoir invité. Hein. Oui, si tu cliques longtemps. Ok, très bien. Donc il n'y a pas d'enjeu particulier. Désolée, c'est le moment goûter. Améliorer la ferme au niveau 3. Du coup, on est bon. Je vais améliorer celle-ci. Ah bah voilà, très bien. Comme ça, les deux sont niveau 3, tant qu'à faire. J'ai construit une carrière. J'ai amélioré la ferme. Très bien. Faut que j'améliore le moulin à bois niveau 3. Ah oui, il faut toujours que je regroupe mes trucs d'infanterie, là. Parfait. Ça, du coup, niveau 3. Comme ça, on est à égalité. Je vais pas favoriser une plus que l'autre, hein. Oh, bonne question, Gigi. J'aurais pas trop. Alors, construire une académie. En vrai, j'aime trop. Qu'est-ce que j'ai comme truc? Ah, là, du coup... Oh, j'ai gagné un truc. Stylé. Donc, il y a beaucoup d'accélérateurs. En vrai, je pense que les accélérateurs... Ça se gagne assez bien. Ok.
Bon, ça, par contre, je sais pas ce que je suis censé faire avec ça. J'ai pris Japon comme pays, les bâtiments sont déjà trop stylés. Ah, nice! Mais j'ai l'impression que ouais, c'est joli comme tout, comme... Ah, j'ai enfin mes archers! Du coup, construire une académie. Recherche de nouvelles technologies. Ah bah oui! On aime la culture ici. On va le mettre là. On peut pas le mettre là? Je crois qu'il va falloir que je bouge les arbres un moment. On agencera ça mieux, hein. Parce que là... Attends, on peut pousser les arbres? Ah oui, très bien. Mon académie. Voilà. Les technologies sont essentielles à notre puissance globale. Heureusement, certains d'entre nous sont efficaces pour résoudre les mystères de ce monde. Ah bah oui. Je veux. Ok, donc là, je peux rechercher extraction pour pouvoir chercher des pierres en dehors de la ville. En attendant de votre alliance. Ouais, ouais, faut que je vois du coup. Mais en fait, ce qui me perturbe, c'est que ça disait clan. Mais du coup, Exactement, Iris. Exactement. On pense à tout ici. Alors, du coup, attends, j'ai une quête. Ok, donc ça, j'ai bon. J'ai fait le truc historique. Construisez une académie, c'est bon. Démarrer une recherche technologique, c'est bon. Soigner et collecter 50 unités, c'est fait. Terrasser des barbares sur niveau 4 de la carte. Putain, j'en ai fait plein. Et recruter 50 unités d'archerie. Très bien. On se met bien. Bisous, mon rourou. Pourquoi il y a un rond rouge? Ah, c'est juste parce que je suis zéro, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Ok, j'ai gagné à manger, c'est bien. Et bim! On s'est extraire. Par contre, je me demande s'il faut tout le temps... En fait, je sais pas pour à quelle fréquence. Tu dois construire... enfin, récolter des gens. Tu vois ce que je veux dire? À quelle fréquence tu dois former des guerriers ou des machins? Parce que moi, dans mon esprit, du coup, je dirais beaucoup. Mais je suppose qu'après, il faut qu'il y ait de la bouffe et tout. Améliorer l'hôpital au niveau 2. Oui, madame, je peux faire ça. Ça, c'est pas beaucoup en plus. En fait, pour le moment, on a un bouclier contre les attaques des autres royaumes, il dure 2 jours. Ouais, mais genre, est-ce que je dois faire... Après, ça va être plus tendu. Non, mais genre, est-ce que... Là, par exemple, mes archers, par exemple, j'en ai produit pas. Est-ce qu'il faut tout le temps en produire ou pas? C'est ça que je me demande. Recycler 5 arbres. Ok. Donc les remplacer. Bah je me rends pas compte justement. De toute façon, il me faut recruter 100 unités d'archerie. Donc... Hop. Améliorer le moulin à bois niveau 3. Ah oui, bah oui, mais du coup j'ai l'autre qui est... Non, c'est bon. Ah, cool cat. Personnellement, j'en produis tout le temps, on sait jamais. Ouais, il me semble aussi. Enfin, c'est ce que je me dis aussi. Le truc, c'est que ça consomme 1000. Mais c'est juste à consommer, en fait. Donc, en soi, c'est juste à la fabrication que ça consomme. Et du coup, il me faut les cavaliers. Écurie.
Alors attends, déjà, je vais... il faut que je recycle des arbres, apparemment. Ma pauvre végétation. Écuyerie, on va la mettre dans le coin. On repasse, on pimpera après. Hein. Ah, je peux pas encore, faut que j'attende 6 secondes. 1, 2, c'est bon! Rapide! Moulin à bois, c'est bon. Faut que j'améliore la caserne au niveau 3 aussi. C'est où la caserne? Ah! Ah bah oui, mais j'ai déjà des gars qui bossent, moi! Clique sur l'hôtel de ville et le truc jaune. Ça? Oh! T'as différents looks! Oh, c'est trop beau! Tu peux faire différents looks pour ton hôtel de ville. Waouh. Ils sont ouf. Bon alors, inutile de dire que pour le moment, c'est l'humilité, hein. Et ça, c'est les plaques de nom que tu peux aussi choper. Ah ouais, c'est stylé. C'est stylé. Du coup, ma caserne, pour le moment, je peux l'augmenter. Et du coup, il faut que je recherche une autre technologie. Irrigation, ça fait quoi? Augmente la production de nourriture dans les fermes. Ça, c'est pas mal. Et si, augmente la production de moulins à bois dans les moulins. Bon, on va faire les deux. Hein. Allez, zoup, lance une recherche, c'est bien. J'aime beaucoup les petits détails. Ouais, moi aussi, c'est super sympa. Attends, dernier prince. Du coup, attends, faut... Alors, créer une alliance, du coup, je peux le faire là, en soi. Alors, faut que j'améliore un commandant niveau 6, donc on va s'occuper de Coco. Du coup, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai 66 des tomes de savoir niveau 1. Et du coup, en même temps, ça consomme beaucoup... Oui. On améliore ça aussi, bim. On améliore après, mais... Ok. Et bim. On a les récompenses. Je prends mon chocolat. En vrai, pour le moment... On avait une heure et demie, il n'y a pas eu de temps où on a dû tchatcher en attendant. Hein. Attends, je vais l'envoyer se battre. On va tester niveau 5, voir s'il est plus fort maintenant ou pas. Chance égale, hein. Chance égale, c'est pas fou quand même. Vas-y, tu sais quoi? Allez. On a le goût du risque. Si Thibault, les soldats peuvent mourir, regarde dans les rapports. Ah bah je pense que là... du coup ça pue hein. Moi ça va, je gagne. Il m'aide, c'est gentil. Oui. Alors attends, que je regarde du coup, victoire. J'ai 52 blessés graves et 0 morts. Ah oui d'accord, donc ils peuvent mourir, mais pour le moment ils crèvent pas quoi. Ça pique. 1000 blessés légers. Ah oui. Ok. Bah faut soigner hein. Donc là t'as mis 50. Et du coup ça consomme plus. Ok. Ça prend beaucoup de... Comment ça s'appelle? Ça prend beaucoup de ressources de les soigner. Je comprends mieux.
Alors, les écuries, je vous aime bien, les gars, j'ai rien contre vous, mais il va falloir bosser quand même. Améliorer la caserne au niveau 3. Oui, ça, faut que je m'en occupe. Les barbares, faut que je m'en occupe encore d'un. Il faut que je recrute du monde, mais d'abord, on va améliorer. Très bien, troisième coffre, on est content. Ok. La clé. Je comprends pas tout, j'ai enfin réussi à télécharger le jeu et quand je lance, je suis une partie active, j'aurai un profil méga avanceur, j'ai jamais joué. C'est bizarre. Juju, c'est sur PC uniquement le lien. Alors, on va améliorer ça, hein, parce que là, ils sont quand même niveau 1, ma caserne, donc si tu veux, c'est un peu la merde. Ah, il est chaud encore, mon chocolat. Ok, donc je peux récupérer mes points d'action si jamais. Donc ça, je pense que ça se garde plutôt pour les events ou les choses comme ça. J'ai nommé le château, d'accord. Et ça, c'est les fameuses sculptures. Caserne niveau 2. Ah, il faut que je recycle encore deux arbres. Donc on va le faire. J'espère que je pourrai en remettre parce que là, je déforeste ma ville, hein. Ah mais grave Gaïa, c'est des glandus hein. T'es sur PC, ça marche pas? Juju, normalement si tu cliques sur mon lien, t'as une page qui s'affiche et ça met télécharger sur PC. Et là du coup tu le télécharges. Du miam miam. Construisez une écurie, c'est fait. Entraînez 20 unités de cavalerie, oui. Ça peut être smart. Ah ils consomment quand même les cocos hein. Ouais. Allez, c'est le but, hein. Voilà, c'est bien, c'est en cours. Explorer 100 blocs de brume sur la carte. Ah, les explorateurs, on retourne au travail. Allez, ça y va. 6 km. Oh, mais c'est rien, 6 km. C'est une petite promenade de santé, hein. Il faut reterrasser. Alors, la caserne. La caserne, j'ai dit que je l'améliorais. 57 secondes, ça va. On n'est pas sur une grosse consommation. On va aller se battre un petit peu contre des barbares. Alors, par contre, je pense. Attends, je vais regarder niveau 5. Ce que ça donne maintenant. Victoire assurée. Oh, mais c'est parce qu'on a les cavaliers maintenant. Les gars. Les niveaux 5, on les poutre maintenant. Ah, mais alors là, bah par contre, vous en allez pas trop quand même. Ce serait sympa. Du coup, cette fameuse alliance, peut-être que je m'en occupe. En fait, j'aimerais bien attendre qu'il me donne le truc. Je me dis, ils vont forcément me donner la quête à un moment, tu sais. Tranquille, on traverse ma maison comme ça. Les gars, ils ont traversé tranquille, quoi. La caserne, c'est fait. Bam. La quête s'appelle frère d'armes. Ah, la quête pour faire le truc? Comment ça se fait que je l'ai pas encore? Allez, les gars, on y retourne. Ah non, ils sont en train de rentrer. C'est après avoir amélioré l'hôtel niveau 5. Ah, bon, on va s'occuper de ça, alors. Faut que j'augmente le mur et l'hôpital. Ah mais c'est pour ça qu'il me disait d'attendre le niveau. C'est ça, c'est après avoir... T'es quel niveau toi, Lenka? C'est bizarre, Jade. T'es sûr que c'est pas sur une démo que t'es? Oh là là, regarde tous ces rapports de bataille, de victoire. C'est beau quand même. C'est grandiose un peu. C'est grand, tu vois. Allez, faut retourner explorer, les gars. On y retourne. Vas-y. Ouais, c'est un peu plus long, mais tu vas le faire. Tranquille.
Alors, niveau 6, est-ce que tu peux les poutrer ou pas? Chance égale. On va rester sur du niveau 5, hein. C'est quand même plus satisfaisant de se faire de poutrer, tu vois. Allez. Merci beaucoup, Lodi. Alors, il faut que j'améliore... On soigne. Donc le mur est en cours. On va récolter de ça. Récolter. On va entraîner. Merci Ludy pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Deux fois du coup. J'ai quand même vachement de monde blessé. Alors du coup là... Je peux normalement... Ah, attends, je regarde ce que c'est que ça. Je peux, voilà, utiliser des accélérations d'entraînement. 5 minutes, 15 minutes. Et forcément, plus le temps passe, plus c'est long, tu vois. Mais genre, typiquement, accélération d'entraînement, 1 minute. J'en ai 50. Donc, en soi... Oula! J'ai gagné plein de trucs. C'est bon, caserne au niveau 2, c'est fait. Coffre d'argent dans la taverne, c'est fait. L'élu, ajouter un point de talent à un commandant, c'est fait. Construire un hôpital. Ah, et enfin, deuxième. Point de contrôle, soigner et collecter les unités. Faut que j'améliore le champ de tir à l'arc au niveau 3. Et que je recrute des unités de siège. Alors du coup, niveau 4 du mur et niveau 4 de l'hôpital. Ah mais j'ai déjà le mur. T'es pas prête pour le temps pour augmenter niveau 5. Ah merde. Oui, je connais Alban. Oh, l'éclaireur a trouvé un village tribal. Mince, elle est où la notif? Ah voilà. Nos éclaireurs... est rapidement devenu ami avec les gens qui y vivent. Après avoir pris connaissance de notre situation, les villageois ont accepté de nous venir en aide. On a besoin d'aide, nous? Ah ouais, il est loin de ouf. Certains jeunes villageois ont entendu dire que vous étiez un grand leader, alors ils veulent rejoindre nos troupes et vous aider à explorer encore plus vaste. Bienvenue! Bien sûr! Bien sûr, les gars! Ils me donnent 20 gars. Bien sûr, soyez les bienvenus! Ouais, j'ai pris la Chine, Juliana. C'est si long que ça pour augmenter niveau 5? Mais bienvenue, merci pour le follow Rico du vide. Alors, on récupère nos gars, on récupère nos gars. En gros, faut que j'attende la fin pour mon mur. Recruter. Alors, unitaire chérie, c'est bon. Cavalerie, c'est bon. Récompense village tribaux, c'est bon. Technologie, c'est bon. Irrigation, c'est bon. Parfait. Je recherche une troisième fois une technologie. Et ben on va commencer par la scie. Allez. Et il faut que je construise un autre hôpital. Les gars, ma ville elle est pas tu sais. On va le mettre là. Ah bah oui, non, faut que j'attende. Ou alors j'ai ça, signer un contrat de 2 jours. Mais ça me fait un peu chier d'utiliser mon truc. On va attendre. Là, on attend, ça y est. Là, on commence à entrer dans la phase où on attend. Et encore, techniquement... Alors, c'est pareil, t'as des points d'action tous les jours. Bon, là, je suis à 1000 sur 1500, donc ça va. Hein, ça. Mais du coup, avec tes points d'action, c'est avec ça que tu fais les combats, les machins et tout. Donc, en soi... des barbares, je veux des barbares. Je peux aussi aller chercher des dépôts de pierre. En même temps, j'ai besoin de rien. Bah, je peux aller chercher de la pierre, cela dit. Je vais aller collecter, tiens. Je vais l'envoyer avec tous mes trucs. Elle va me ramener masse de pierre, ça va être bien. Ça fait pas de mal, écoute. En vrai, on a 300 000 de bouffe, 378 000 de bois, 139 000 de pierre.
Donc autant qu'ils me ramènent des pierres. Les murailles, on peut pas les bouger pour agrandir notre ville. Je sais pas si ça s'agrandit pas tout seul. Je sais pas comment ça marche. Collecter 100 pierres, bah c'est bon. Parce que là, en fait, en vrai, le truc le plus relou, c'est que je peux pas construire deux trucs en même temps. Mais merci pour le follow, D-Wooks. Enfin, relou. L'éclaireur est rentré. Oh bah, t'as bien bossé. T'es bien. Pat, pat. 3 minutes 25. Eh, vous savez quoi, je vais faire la guedin. Accélération, 1 minute. Plus que 2 minutes. Mais je crois que quand tu changes d'âge, ça augmente la taille de ta ville. Ah, ouais, ça me paraît logique, dit comme ça. Ça me paraît logique. Tu reviens quand, Poupette? Avec ton... Ah, elles sont allées en train de miner. Ils vont m'en ramener 13 000 quand même, hein. Bon, ça prend 6 minutes, par contre, hein. Mais l'avantage, c'est que du coup, ça fait quand même pas... Alors, 13 000 sur 139 000... C'est pas... Voilà, mais... Alors du coup, l'alliance... Ah oui, du coup, alors, est-ce que l'alliance, faut que j'attende d'être niveau 5 pour avoir la quête? Captoulage avec des casques VR. Alors, je m'engage à ne pas arrêter ce stream tant que j'ai pas créé d'alliance. Hein. Soyons clairs. Je n'abandonnerai pas sans avoir d'alliance, mais... est-ce que eux... Ah oui, mais du coup, je crois que le tir à l'arc, faut que je les augmente. Ouais, au niveau 3. 12 minutes. Ouais, non, on va attendre. Engagement noté. Ah bah non, faut qu'on crée notre clan, quand même. T'as quand même une vidéo à 18h, mais ton engagement est louable. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ça va, il est 16h50. Ah, il va pas me falloir une heure pour passer le niveau suivant, quand même. Faites pas des frayeurs pareilles. La nuit tombe. 49, 48, 46. Comment dire? Ah! Ah! Ah ouais! Ah! Bon, non mais je suis confiante. Ça va le faire, ça va le faire. Oui, c'est vrai, Prince, c'est ça, c'est vrai. Non, non, mais ça va le faire. T'aimes bien ton chocolat chaud? Bah je l'ai fini. On sera là jusqu'à la Pentecôte. Le temps du level suivant doit être long. Oui, je pense. Vu le message de Titi et de Mindy, je m'inquiète. Je m'inquiète. On peut être jusqu'à 50, je crois, dans le clan. Je sais pas si on peut être plus. Mais en tout cas, encore une fois, Team Rediff et tout, n'hésitez pas, faites de votre côté. En vrai, je pense que je vais continuer. Alors, j'ai une OP sur deux streams. Ok. Attends, je finis après. Rappelez-moi ce que je disais. La muraille, c'est fait. Il faut l'hôpital niveau 4. Il est où mon hôpital? Ça c'est la hutte, l'hôpital. Je suis que niveau 2. Bon ça va, c'est rapide. Je pense que le niveau 4 il va piquer un peu. Mais déjà faisons le niveau 3. Donc oui, techniquement j'ai une OP sur deux streams, mais en vrai si le jeu me plaît, rien n'exclut que je refasse des streams. Hein. On a des gens qui viennent level 5. Comment ça? Qui viennent? 265 pour le moment. De quoi? Ah oui, j'avais pas vu! Vous êtes deux... Putain, vous avez rejeté... Bah ça doit être toi et Mindy. Et regardez, quand vous atteignez le niveau... Enfin, quand vous atteignez le niveau 5 en passant par mon code, ça fait le petit truc en bas. Et dites-vous, si jamais vous voulez le faire hors stream, c'est aussi une bonne action, parce que techniquement, il me semble que plus il y a de gens qui créent de comptes, donc ça prend quelques minutes, entre guillemets, pour monter niveau 5, enfin quelques minutes, on s'entend, tu vois. Et bah plus, moi, il me donne un bonus. Donc si jamais, ces gens ont dû utiliser des accélérateurs. C'est possible. Iris, je sens une remarque. Iris, je sens un jugement. Mais moi, je suis pas encore niveau 5, c'est-à-dire que les deux, ils m'ont dépassé, quoi. Mais non, pourquoi il se ferait hack, Jade? C'est pas possible de hack avec ça, je pense. Hein. Le temps pour passer niveau 5 est long. Ah, merde. Oui, c'est au niveau 5 de l'hôtel, il me semble. C'est au niveau 5 de l'hôtel. Allez, l'hôpital. En gros, il me reste un niveau d'hôpital. Et après, je peux faire l'hôtel de niveau 5. Fallait le dire, Thibaut, j'installe tout de suite, je vais te donner de la moula. Oh, c'est gentil. J'ai fait le petit boost pour arriver au 5. Bah oui. Alors du coup, niveau 4. 2 minutes, ça va. C'est moins long que le mur.
Et... ouais, du coup, c'est ça. Il me manque que ça. Et il va falloir que je fasse un autre hôpital. Donc ça, je vais créer l'autre hôpital tout de suite après. Comme ça, ça me valide l'objectif. Hop. J'attends juste que lui soit bon, du coup. Ou c'est bizarre, Jade, hein. C'est... mais t'es passé par le lien que j'avais ? J'y suis passée avec Boost. Ouais, bah oui, forcément. Le jeu est que sur PC ou aussi sur mobile. Alors, il est aussi sur mobile. Pour rejoindre le clan, vous pourrez, je pense, passer par le mobile. Mais pour le lien qui est dans la description ici, Team Rediff, ou dans le chat, ou dans la bio Twitch, d'ailleurs, si jamais vous voulez créer un compte après le stream ou quoi, il est dans la bio de ma page Twitch. Il y a une petite image, aussi, si jamais. Et bah là, pour le coup, il faut être sur PC. J'ai utilisé des boosts. Ouais, clairement. Oui, est-ce que les modos peuvent redonner le code que moi-même j'avais oublié tout à l'heure? Pour moi-même, c'est quand même le comble. 1 minute 12. Non, mais c'est bien, on est un peu confronté à notre avenir, un peu, tu vois. C'est bien. C'est convivial. C'est vrai, c'est là qu'on relativise. 1 minute dans certains contextes, dans certains rapports, c'est court. Et bah, dans d'autres, c'est long, tu vois. En plus, quand je vais utiliser le code, on me dit qu'il est déjà utilisé par quelqu'un. C'est chelou, Jade. Vraiment, hein. En vrai, j'ai pas utilisé de boost encore à part le double fil. Le double fil, j'avoue, il me tente, hein. Ah ouais, Vivi? Trop bizarre. Bonjour, Dua. Alors, le code, c'est dans ton profil, paramètres. Et après, je sais plus, Titi, il m'a dit tout à l'heure. Non, je tombe pas sur la tentation. Non, je résiste. Je suis une pince dans les jeux, moi. Je supporte pas. C'est comme dans la bouffe, je supporte pas quand j'ai plus un truc. Re Armin, voilà, merci Titi. Ouais, mais il va refaire jour après Armin, c'est le cycle de la vie. 4, 3, 2, 1, bonne année! Allez hop, je fais mon petit hôtel, il y en a pour 5 secondes. Enfin, hôpital, pas hôtel. Pouf. Comme ça, ça me valide l'objectif. Voilà, on est content. Et j'augmente. Une heure! Oui, non, mais là, on va utiliser un pass de truc, hein. C'est... Regarde, accélération 15 minutes. J'en ai 4. On en utilise... Et j'en ai 22 de 5. Voilà. Voilà, on est passé à une demi-heure. C'est pas mal. Une demi-heure au lieu d'une heure. Eh, j'ai utilisé. J'ai utilisé, hein. Construisez un hôpital. Oui. Ah bah tiens, en plus mon objectif suivant c'était améliorer l'hôtel de ville au niveau 5. C'est parfait. Donc il faut que je récolte 1000 unités de pierre sur la carte. Ah donc ça c'est bon, j'ai pris. Oh là 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 là. Tous les trucs avec les pierres en fait ils m'ont félicité là. Hein, parce que j'ai tout pété parce qu'elle en a récupéré 10 000. Donc améliorer du coup, je ne peux rien améliorer pour le moment. Par contre je peux recruter des trucs d'archerie. Ça je peux. Ça, je peux. Et de la cavalerie aussi, il m'en faut d'ailleurs. Au travail. Moi, le lien ne m'installe rien, ça montre le code, je peux l'installer à part du coup. Bah ouais, bah, non, en fait, quand vous cliquez sur le lien... bah attendez, je peux... Non, je peux pas vous montrer. Quand vous cliquez sur le lien, vous avez une page qui s'ouvre dans votre navigateur avec « Utiliser le code machin, télécharger sur PC ». Vous cliquez sur télécharger sur PC, ça vous lance l'écran d'installation et vous l'installez sur votre PC. C'est cool, j'ai des récompenses, oui. Ah oui, alors, unité de siège, où est-ce qu'il me faut? Ah, il me faut ça. Ah bah, il faut que je sois niveau 5 pour le faire, ok. Donc, je ne peux rien faire pour le moment. Je fais partie de ce niveau 5 sur ton compteur. Ah, vous êtes deux alors, il y a toi et Titi. Des fois, il faut un peu de temps, il m'a dit le gars, pour que ça se comptabilise, hein. N'est-ce pas, Wally Walou? Ah, bah quand même, hein. Pour le moment, tu vois, j'ai... En fait, pour le moment, je sais pas quel royaume je suis, ni rien, en fait. Je sais pas quel serveur, quel truc. Je ne sais pas grand-chose. Mille excuses, ça a bugué, mais je l'ai, c'est bon. Ah, bon, tant mieux. Tant mieux. Du coup, ça me... Alors, tout ça, c'est bon. J'ai des petits mails, rapports de collecte, 13 000, ils ont bien bossé, on peut être content.
Est-ce qu'on peut trouver un autre village tribal? Je pense que pour ça... Alors déjà, on va peut-être l'envoyer faire un petit combat contre des barbares. Parce que les barbares, c'est pas mal. Rechercher. En plus, ça rapporte... Regarde, ça rapporte pas mal de trucs. T'as des boosts aussi. Victoire assurée. Allez, va lui rouler dessus. Des zooms sur la carte et clique sur la terre en bas à gauche. C'est grisé. Peut-être parce que je suis pas assez haut. Ouais, victoire. 44 blessés graves quand même, mais aucun mort. Mais mec, à moi, il meurt pas. Tu peux peut-être pas encore le faire du coup. Ouais, je pense. Hein. Peut-être niveau 5. Allez, on soigne tout ce monde. Allez, allez, 3 secondes, ça va, c'est rapide. Des cailloux, on prend les cailloux. Tout le monde est soigné, oui! Parce que chez Thibaut, on n'est pas beaucoup malade. Juste un peu. Bah on va refaire. Parce que c'est bien de refaire. Allez, poutre-moi ça. Faut que je dézoome beaucoup, beaucoup. Ah, waouh! Victoria. Mais je peux pas cliquer sur la carte, ça fait, c'est tout grisé quand même. Je pense qu'il faut que j'attende que je sois niveau 5. Hein. C'est grand, oui. Salut Thibu, salut toute la... Thibu, salut toute la team, je suis émue, c'est mon premier message chat. Oh, bah bienvenue Echo. Tu as bien raison. Communique, communique. Ouais, on a encore gagné, on est trop fort. Encore 44 blessés graves. Il y a toujours 44 blessés graves chez moi. C'est constant. En bas à droite. Ah, pas à gauche. Ah. D'ailleurs, Thibaut, si tu veux associer ton compte à un compte Google, tu cliques sur ton perso en haut à gauche, paramètres et compte. Ok, je vais faire ça. Bah après, peut-être. Pas pendant, mais... Attends, je regarde juste où c'est. Tu m'as dit où? Sur ton perso en haut à gauche, paramètres et compte. Réglage, du coup, je suppose. Ah, compte, ici. Ça peut être pas mal. Effectivement, je ferai ça après. J'avoue, elle vend. C'est la terre en bas à droite. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. La terre. Ah oui, ici. C'est ça? Ah, waouh. Je suis là, au royaume d'Unogène, dans les régions Maffaires. Voilà. Ça avance des masses, hein, mais... soigner et collecter 500 unités. Oui! Chant de tir à l'arc, je ne peux pas l'augmenter. Mais par contre, on est presque aux 15 troupes niquées, là. Ça, c'est bien. On continue à tuer les barbares, hein. Bah écoute, ça nous permet de nous nourrir. En soi. Tu vois? Donc, bah ouais, on retourne se battre. On a une demi-heure à occuper, hein, donc j'ai envie de dire, c'est autant la remplir, quoi. Ça va, il y a une vidéo qui sort dans une heure. On est tranquille. Par contre, il y a un rond rouge dessus, ça me stresse. Ah, c'est ça? Ah, je peux avoir des points quotidiens restaurés une fois par jour. Ok, bon à savoir. Bon, du coup, je le fais pas maintenant. Mais au moins, je sais que c'est là. Et ça, j'ai un point rouge qui me stresse. Ah, c'est pour dire ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est bon, j'aurais plus de point rouge. Tu le sors quand, le nouveau Reels? Je pense le faire ce soir, Armin. J'ai hâte de rejoindre le clan. Mais j'ai déjà trop hâte de le créer. J'ai trop hâte de le créer, le clan. Ah, 45 blessés. Oh, bah c'est la piquette. Oh, bah quand même. Il manque une troupe de barbares à terrasser et on est bon pour l'objectif. Unité de siège, du coup, je peux pas. Et village tribal. Ah tiens, je peux peut-être envoyer mes explorateurs explorer. Go.
Parce qu'en soi, une fois que j'ai rencontré, que j'ai trouvé un village tribal, après. Regardez, une terre agricole. Il y a 5 types de points de ressources sur cette riche terre. Terre agricole, camp de bûcherons et dépôt de pierres, d'or et de gemmes. Oui, d'accord. Mais j'ai pas d'unité de siège encore pour le moment, donc... Et ça, c'est l'avis d'un autre gouverneur. Ah, oh, je peux regarder ce qu'il fait. Ok, c'est joli. Non, moi, ce que je cherchais, c'était une ville à coloniser un peu, tu sais. Voilà, ça, là. Ce que j'ai eu tout à l'heure, eux. Ah, on a déjà exploré, bah oui. Ah, on peut pas encore récolter de l'or. Je pourrais dans l'âge de fer. C'est bon. Où je suis perdue. Hop, je vais trouver ma maison. Clique sur U puis expédition. Attends, déjà, je récupère mes bonhommes blessés. Oui! Ah bah j'ai plein de nouveaux bonhommes! C'est bien ça! Allez, à dada. Très bien. Très très bien. C'est quoi ça? Ah, c'est mes mecs qui rentrent. Oh, voli volou, plein de bisous. J'avoue, Gaïa. Ça me stresse que la madame, elle continue de parler alors qu'on a fermé sa boîte de dialogue. Ah, mais c'est parce que rien ne peut l'arrêter, tu vois. Du coup, oui, il nous restait un truc de barbare. Un truc de barbare, et après on a l'objectif. Allez, foutrage de gueule. Ah, 6 secondes, on a même plus besoin de se déplacer pour poutrer des gueules maintenant. Ah, niveau 5, bravo Mindy. Mais t'es pas encore affiché en bas. T'es passé par mon lien ou pas toi? Poutrage de gueule! Oui! Rapport de combat, combien de 40 blazes. Toujours 44, hein. C'est le chiffre maudit un peu. On soigne tout le monde. J'aime bien parce que je les soigne et les pauvres, ils retournent au combat après, quoi. c'est rapide. C'est bon, alors, on a terrassé 15 troupes de barbares et on a soigné 600 unités. Ah, il faut que je batte des barbares de niveau 6 3 fois. Moi, je veux bien, les gars, mais... On va d'abord faire ça, hein. Ah, il faut que j'ai l'académie niveau 2 pour faire ça. Je peux pas améliorer tout de suite. Bah oui, mais je vais pas pouvoir. Bah oui. Parce que j'ai ça qui truc en même temps. Bonjour, t'es un vrai tyran en fait. Totalement! Totalement! Les soignés pourront me repartir. Ah, ça y est! New player! Qui a atteint le niveau 5. C'est... Oh, vous êtes 5 à l'avoir atteint en fait! Je crois que ça se met en mise à jour toutes les. Toutes les minutes. Pas toutes les minutes, mais tu vois, il y a un peu de temps. Vous êtes 5 niveau 5. 6 niveau 5. Ça y est. Et du coup, ouais, il faut que je batte 3 fois des niveaux 6. On peut essayer, hein. Techniquement, je crois qu'on est à égalité. Enfin, genre à force égale, un truc comme ça. On va voir ce que ça dit. Chance égale. C'est pas ce que je préfère, chance égale. Hein. Ça me tend un peu. Hein. Allez, faut bien qu'on s'occupe. Il faut bien. Ah, envoyez vos troupes 20 fois. Bah, c'est bien. On va atteindre les 50. Ouais, ça serait trop classe. Mais déjà là, si on atteint les. Non, on est loin des 65. Hein, mais on avance trop vite, grave. Je suis en train de télécharger avec ton lien. Je serai encore plus tyrannique que toi, je pense. Allez, vas-y, accroche-toi à la vie. Bah attends, je vais peut-être pouvoir augmenter son niveau, mon héros, d'ailleurs. Parce que là, il se fait un peu victimiser, mais... Oh, il gagne quand même. Il souffre, mais il gagne. Je vais avoir des morts. Je pense que je vais avoir des morts. T'as la quête pour l'Alliance. T'es niveau 5, du coup. Allez, accroche-toi. Bute-moi ce truc. Putain, c'est... Alors, il faut que je gagne 3 fois, oui, mais... Alors, combien j'en ai perdu? Oh,
aucun mort, mais 72 blessés graves. Bah, ça va coûter cher, hein. Ah bah, bravo, hein. 72 blessés graves, quand même, hein. Dis-moi, t'attends. J'arrive. Vas-y, ça coûte combien que je rigole? 1400. T'as cru que j'étais riche? Soins hachés pour 72 unités. Bah, c'est bien. Comme quoi, on a bien peu de choses. Mais tu vois, en même temps, le truc, c'est que là, dans les objectifs que je peux faire, bah, j'en ai pas 50, hein. Puis ça, je gagne 18 000 derrière, ça vaut le coup qu'ils souffrent un petit peu, hein. C'est parce que le reste, village tribaux, je peux le renvoyer explorer, lui. Va explorer. Vas-y. Mais là, pour le moment, Ah, c'est un truc de ressources d'alliance. Will receive a portion of the resources produced by Alliance resource points in Alliance territory. So it is beneficial for all members to help build new fortresses. Mais continue à parler, ça va pas aimer. Armin va pas aimer. Ah, t'as pris un clan, Iris, t'as pas attendu? T'as pas attendu mon clan? On n'a pas eu de mort. Yeah, 200 unités d'infanterie. On va refaire un truc de bagarre contre les barbares niveau 6. Écoute, il faut ce qu'il faut, hein. Allez. Je pense qu'elle voulait dire le héros. Ah, mais si, je vais attendre, mais il fallait choisir une civilisation. Ah, une civilisation. Ah bah oui, bien sûr. Tant que personne meurt, on s'en fiche. Ouais. J'avoue, s'ils sont juste blessés, ça va. Ah, j'ai oublié d'augmenter son niveau à Coco. Faut que je le fasse après, faites-moi penser. Clique sur U. Ah oui. Ok. D'accord. Je peux rien faire pour le moment, mais ok. On prend cher avec les niveaux 6, hein. On prend cher, hein. Mais ils meurent pas. Mes mecs sont protégés par les divinités, hein. Ils meurent pas. Tant mieux. Du coup, alors attends, on va soigner parce que là, évidemment, c'est la PLS. Ah bah, j'ai des nouveaux cavaliers, c'est bien ça. On soigne tout ça. On récolte la bouffe. Voilà, mais oui, on est soigné, mais oui. Mais bien sûr que oui, on est soigné. Améliorer Coco. Eh, hey, il est bientôt niveau 7, ça dit, hein. Avec ses petits combats, hein. Peut-être que je l'améliore, elle aussi, non? Elle me fait peine un peu, quand même. On va au moins la mettre un peu. Oh, j'en ai 81, voilà. On la passe quand même, genre, au moins niveau 5. Bah, quand même, ça fait peine, sinon, quoi. Voilà, elle est niveau 5. Ah, mais un peu d'apaisement, tu vois, on se monte, quand même, c'est... Du coup, elle est bonne en maintien de la paix, donc on va la mettre en maintien de la paix. Hein. Ah, cela dit, elle est bonne dans les trois. Non, mais elle va clairement maintenir la paix. Qu'est-ce que ça fait? Très bien, ça nique les barbares. Ça nique les barbares aussi. Tu parles de paix, toi? Ça nique, tout nique les barbares, en fait. Tout nique les barbares. Ah, augmente de 3% la vitesse de marche. Et ça soigne les blessés. Eh bah très bien, on va aller soigner les blessés, hein. C'est vraiment contre les barbares, maintien de la paix, par contre, hein. Et compétences, ça fait quoi? Bon, c'est un peu éclaté. Non, mais on va partir sur ça. Voilà, très bien. Ah, tu peux plus. Ah oui, mais elle sait bien. De toute façon, elle se bat pas, donc j'ai envie de dire... c'est pas... je sais pas, lui dit, tiens. Bah, c'est vrai, Mini, c'est vrai. Vu comme ça. J'ai combien de tomes du savoir? J'en ai pas 36, hein. Bah si, j'ai du tome du savoir niveau 1. On va le monter niveau 7. Mais ça monte plus beaucoup, hein. Vas-y, on va mettre un tome du savoir niveau 2. Waouh, ça change rien. Bon, écoute, il a pris un niveau, déjà il doit être reconnaissant de la vie un peu. Et c'est quoi ça déjà?
augmente de 20% les dégâts d'attaque normale. Oui, non, mais mon armée n'est pas réduite de moitié, donc on va faire ça. Il faut qu'il améliore. Comment il monte à 2 étoiles? Ah, il faut qu'il soit à niveau 10 pour débloquer le niveau d'étoile 2. Ah ouais, mais les gars... Non. Non, il faut qu'il se batte plus, en fait, mon commandant. Genre, moi, je suis en mode, oh, le pauvre. Non, non, que dalle. Niveau 6, là, il me faut encore... Attends. Améliorer un général commandant niveau 7. Oui. 10 points de talent en commandant. Oui. Ah, très bien. 50 unités de cavalerie, 200 unités d'infanterie. Très bien. Il faut que... Alors, il faut que je recrute encore. Et que j'envoie... Alors, attends. Il me faut un truc de niveau 6. Hop. Rechercher. Il est là. La forêt a popé, mais comme Jaja, quoi. Allez. Chance égale. Je sais, mais tu peux le faire. J'apprends des trucs grâce à toi. Avec plaisir. Et après, je les enverrai choper de la bouffe quelque part, je pense. Ou des pierres, un truc comme ça. Ah! Attends, j'ai gagné un truc. 10 000 pierres. Ah! Bah, tu vois, gloire de la bataille. Je gagne 10 000 de puissance. On est content. Bon, après, par contre, le reste. Bon, ça, c'est l'hôtel de ville que je dois augmenter. Et ça, je peux pas. J'ai rien à faire pour les autres. Ça, je pense que c'est les autres quêtes. Mais je crois que pour le moment, je peux rien faire. Hein. C'est bon, tu t'en es sorti? Oui! Battez des barbares de niveau 6 3 fois. Oui! Bravo! Bravo! Donc, recruter des tireurs, des unités d'archerie. Ça, je peux. Alors, on soigne, évidemment, on soigne parce qu'on n'est pas des sauvages. Hein. Allez, on recrute. Bah, tant qu'à faire, j'ai envie de dire, on recrute partout. Hein. De toute façon, il reste 12 minutes, donc là, je peux rien construire tant que... 25 minutes, par contre, ça me semble énorme. Non, mais toi, tu vas attendre. Hein. Toi, tu restes, tu dors. Voilà, c'est la sieste. C'est la sieste pour les piétons. Clairement. Et là, j'ai chopé quoi? Ah, j'ai 2 clés en argent. À propos de coffre en argent, je crois que j'en ai un à ouvrir gratos. Ouais. Très bien. Très bien. Je garde mes clés. Oui, je garde mes clés, ça ne sert à rien d'autre qu'à ouvrir, mais que ce que tu veux. Ah, voilà, c'est bien. Bête question, si tu passes niveau 5, tu seras la 10e. Tu l'as fait via ton... Ah oui, je l'ai fait via mon lien, ouais. J'ai cliqué via mon lien. Ah, du coup, il faut que je terrasse maintenant 20 troupes de barbares. Mais ça, du coup, c'est pas forcément niveau machin. Du coup, t'as fini d'explorer, toi, parce qu'il m'a pas trouvé un autre... Allez, va. Allez. Va, 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 mon grand. Il est parti? Mais non, il y est pas allé, qu'il est con. Vas-y. Voilà, il y est allé. Il part explorer le vaste monde. Dans 10 minutes! Ce serait beau si c'était la 10e. Moustache! Regarde, c'est mes bonhommes! Alors attends, ça c'est mes courriers, mais ça c'est pour mes combats, bah oui. Bah oui, c'est pour mes combats, évidemment. Et du coup, unité de siège, je peux rien faire. Ah oui, si, j'avais dit. J'avais dit que j'allais les envoyer au dépôt de pierre. Hop, collecter. Alors, on va envoyer ma poulette, hein, pour une fois qu'elle peut me servir à quelque chose. Allez. On va récolter un peu de pierre, parce que pierre, techniquement... Alors, je pense que ça a moins d'incidence, pour le moment, en tout cas, la pierre que le bois ou la bouffe. Mais tant qu'à faire... Ils sont beaux, tes bonhommes. Mais oui! Oh, j'ai eu un perso, Tomoe Gozen, une samouraï de 1180-1185. Stylé! Moustache, si tu veux te créer ton compte avec mon lien, tu le fais, hein. Comme ça, tu joues avec nous dans le clan. Et là, en perso, j'en ai 2.
Mais j'ai lui, c'est lui mon principal, Soumsi, niveau 7 sur 10 avant la deuxième étoile. Et j'ai elle que j'ai quand même monté niveau 5 parce qu'elle me faisait de la peine. Mais c'est pas vraiment un perso elle pour le coup. C'est plus une catégorie, tu vois, de personnes armées. Enfin, je crois. Elle a pas de nom en tout cas. Je vais aller prendre mon ordi. Oui ! Va moustache, va. Par contre ça je sais pas à quoi ça sert. Ah non 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 non, calme-toi, calme-toi. Ça prend 1000 bouffes, ok, mais je vois pas l'utilité du truc, donc du coup je l'ai pas fait. De toute façon je peux pas pour le moment, encore 9 minutes. Encore 9 minutes. Et là j'ai mes cocos qui sont à là. Et c'est très bien. Et du coup là ils vont pouvoir me ramener 14 000 pierres. Dans 7 minutes. C'est parfait, tout le monde est occupé pendant le temps. Il n'y a que mon héros du coup numéro 2 qui sert à rien. Mais en même temps, je vais pas l'envoyer tout seul. Voilà, là on est dans un cas où il faut attendre quoi. Et dans 8 minutes, ça veut dire que je vais pouvoir faire... je vais pouvoir faire la guilde, le clan. On va faire un clan. Et après, il faut que je construise le truc de siège et que j'augmente mon truc là. Faut que j'améliore le champ de tir à l'arc, il faut que j'améliore les technologies. Oh là là, hein! Est-ce que le jeu sur ordi se télécharge? Oui, il se télécharge. Attendez, je vous redonne le lien. Hop là! Ah bah tiens, moustache en même temps. Et alors, si jamais Team Rediff sur YouTube, du coup, il sera dans la description. Et il est dans la bio Twitch pendant une semaine. Donc t'inquiète, moustache. Ne dis pas, oups, tu as été réactive. Donc si jamais, vous savez, sur la page, en gros, sur ma page Twitch... Vous cliquez, il y a les rediffs, et à côté, il y a bio, vidéo, etc. Bah, sur bio, il y a le lien pour télécharger dans Navigateur, qui s'ouvre. Et du coup, je me demande combien on va être... parce qu'en gros, je crois que le tableau où vous êtes à 965, il s'actualise. Parce qu'on a eu 8 personnes, 5, 4 personnes d'un coup, là, tout à l'heure. Donc je pense que ça s'actualise assez régulièrement entre vous. Je vais faire un clan. N'hésitez pas pour la team Rediff à venir nous voir sur Discord si vous trouvez pas. Ouais, totalement moustache. Et grave, Titi a raison, oubliez pas le code promo comme moi. J'ai failli oublier d'utiliser mon propre code promo quand même. C'est quand même fort, ce que je veux dire. Maintenant, je vais pouvoir envoyer deux troupes contre les barbares. Oh, comment ça se fait, Mindy? Ah, mais Mindy, t'es en avance sur nous, là. Bim, 20 cavaliers de plus, on est content. 5 minutes et il me reste 7 minutes. Allez, on refait 20 cavaliers. Ce serait ballot. Bah oui. Pourquoi, Hérite? J'ai pu avoir un autre général. Ah, trop bien! Mais du coup, moi, j'en ai deux. Elle, c'est une générale aussi ou pas? Je crois. Elle, du coup, oui aussi. Hey there. Wanna play a game? Non? Ah, là, vous avez du coup le détail. Autre serpent de l'ombre. Ah non, peut-être pas. Je sais pas en fait. Ah, il est épique. Il a tué 25 000 barbares. Je sais pas si elle, du coup, elle est... Non, l'autre, elle ramasse les pauvres petits cailloux. T'as créé ta guilde. Pas encore. Pas encore, bientôt. Ouais, c'est une deuxième commandant, elle aussi. C'est l'ordi de ma mère, j'ai pas le droit de télécharger quoi que ce soit dessus. Ah, dommage. Merci pour le follow, Mazeof. Mazeof, c'est ça? Mazeof, ouais, c'est ça. 5 minutes 45. Heureusement que j'ai fait les petits codes, hein, quand même. Et eux, ils ont fini... Comment on voit? Ah, dans 3 minutes. J'aime trop le jeu, en vrai. En vrai, ça me hype, c'est comme on joue en même temps, c'est ça aussi qui est drôle. Je pense que tout seul, c'est moins fun, tu vois. Enfin, c'est addictif, parce que pour le coup, ce type de jeu, moi, ça me... Quand j'aime bien, j'aime bien. Mais là, le fait d'être ensemble, en plus... En vrai, ça avance bien. Ouais, grave, hein. Bah, surtout qu'en plus, là, j'utilise pas mes passes. Mais en soi, accélérateur, j'ai encore tout ça, quand même, hein. Après, j'en ai pas 50. Tu vois, genre, celui-là... J'en ai 50, j'ai pas trop de scrupules à en utiliser un peu. Quand j'en ai un, c'est mort. C'est mort, tu vois.
c'est not possible. C'est not possible, je suis trop toquée. Je suis beaucoup trop toquée, hein. J'ai en profité pour faire une pause pipi, tiens. Je reviens. Pareil, PTDR, genre ce type de jeu, je peux avoir ma phase où j'y joue pas mal quand je découvre. Ah, mais moi, pareil. Il y en a certains, je crois que j'avais un jeu Disney. Et bah, c'était deux jeux Disney différents, d'ailleurs, où vraiment j'ai été addict. Pff, scandaleux. Je reviens. Plus que 3 minutes! Oui! Et je confirme que tu ne lâchais pas. Oui, un petit peu. Hein. N'est-ce pas, Wally Wallou? Ah, du coup, ils vont pas tarder à rentrer, mes récolteurs, là. Ça va faire 14 000 chicototes. Je me sens toute fière. Alors que c'est pas du tout moi. Genre, c'est pas moi qui récolte. Tu vois ce que je veux dire? Mais. Bah, tant 4, pour le moment, j'ai pas encore fait de truc. Il faut attendre que je le fasse. Je suis au niveau 5 dans 2 minutes 48. Donc, il faut attendre. J'attends la quête. Pourquoi les barbares, ils traversent ma terre, là? Ça me stresse. Je sais que c'est pas vraiment, tu vois, mais... Grave, Maëtte, de ouf. On y est bientôt, on y est bientôt. En vrai, ça, l'avantage de l'avoir sur PC, c'est que tu le laisses dans un coin, t'sais, enfin, comme c'est en fenêtre, tu le mets en relativement petit dans un coin de ton écran. Et le temps, alors pas au début, parce qu'au début, forcément, tes temps de création de trucs sont très courts. Mais quand t'as avancé et tout, tu le laisses dans un coin et tu farmes pendant que tu fais autre chose, quoi. Ou alors, je dis ça, et après, évidemment, t'y passes trois plombs parce que tu trouves des choses à faire. C'est le piège, mais... Des nouveaux cavaliers! Ouais, sans unité de cavalerie. Ça rentre bientôt? Non, parce qu'on passe bientôt un cap, les enfants. C'est pas que je voudrais vous stresser, mais... Oui, bientôt. Ils rentrent bientôt à la maison. Regarde, ils y sont presque. Ouais, ils ont réussi. Oh, ils sont chargés, regarde. C'est le poids de la pierre. On dirait qu'ils ont des énormes kikis, eux, c'est quoi? Ah non, c'est des chevaux. L'alliance arrive! L'alliance arrive! Wow, wow, j'ai des quêtes en plus. Alors attends, j'ai réussi mes quêtes. Récolter 30 000 ressources sur la carte. Et récolter 20 000 unités de pierre sur la carte. Et ça m'en donne 8 000 en plus. Eh ben écoutez, on va pas dire non. Hein. On va pas dire non. Non, je veux pas rejoindre ton alliance, mais c'est gentil de proposer, mais il faut que je crée la mienne. J'ai une tribu de choupes qui m'attendent. C'est important. Par exemple, si on y joue que lundi, ça te sert quand même. Ouais, Maëtte. En fait, alors, il y a une semaine où vous voyez le petit truc en pierre juste en dessous, là? Tant que vous utilisez le lien que je vais vous donner, si vous l'utilisez sur une semaine, ça compte, en fait. Donc si jamais vous voyez cette rediff dans 3-4 jours par rapport à sa date de publication, ça sera quand même. Et après honnêtement, je sais pas si je continuerai à jouer derrière. Parce que là, la hype est élevée. Mais je me connais aussi, je sais que ça peut retomber. Mais là, la hype est élevée. Là, j'avoue que je suis dedans. Tu vois. Faut voir après en plus comment ça va être quand on joue à plusieurs et tout, tu vois. C'est rigolo. Allez, 23 secondes! Allez! We can do it! We can do it! We can do it! Et après, je pourrais améliorer tous mes petits trucs qui attendent là! Oh! Il y a tellement de trucs qui attendent! Il a fini d'explorer, Coco, en fait? On va attendre qu'on soit. Il y a des gens qui me proposent de rejoindre leur alliance, je suis là en mode no way, merci! Si ça peut te donner un bonus et me faire découvrir un jeu gratuit, autant le faire. Moi, oh, c'est gentil.
Du coup, améliorer l'hôtel de ville au niveau 5. Yeah! Votre capacité de gestion est une garantie pour le développement de notre civilisation et nous sommes tous persuadés que vous allez nous conduire vers un futur glorieux. L'atelier d'armes de siège est désormais disponible dans votre liste de construction. Nous devrions construire quelques unités de siège pour aider à la récolte de ressources. Totalement. Du coup, j'ai recruté mes trucs d'archerie en plus. Alors, waouh, il y a plein de choses. Ça dure 10 secondes à construire, c'est très bien, c'est rapide. Ah mais du coup, je suis pas au niveau supérieur en fait. J'ai entendu Kim râler, mais... Niveau atteint. Alors du coup, normalement, ça veut dire que je vais avoir une quête. Très bien. Je suis la quête principale. Hein. Boum! Entraîner 20 unités de siège. Parce que normalement, du coup, c'est là qu'ils le disent. Je vais avoir... normalement, il y a une quête qui dit de faire un clan. Je trouve ça mieux de jouer à plusieurs parce qu'on peut en parler, c'est génial. Bah ouais, c'est ça. Améliorer un commandant au niveau 5. Oh, il est niveau 7. Oh, ça y est! Rejoignez ou créez une alliance. That's the moment! Putain, et en 2h30. Rejoignez votre première alliance pour obtenir 300 gemmes. L'aide d'alliance peut vous aider à gagner du temps. Les alliés se soutiennent toujours les uns les autres. Construisez des forteresses d'alliance pour étendre votre territoire. Occupez des points de contrôle lieu saint pour obtenir des bénédictions. Créer une alliance. Alors, waouh. Alors, nom d'alliance. Comment on l'appelle? C'est notre mot. Ah bah, Armin, toi, non? Bonne mère. La choupe Armin. Ah, c'est plus mignon. Il y a la bonne mère. Choupe Armin. La choupe compagnie. Ah, la choupe compagnie, c'est pas mal aussi. Thibaut Army. Ah, pas mal aussi. La choupe Army, c'est mignon. Il y a une petite référence K-pop quand même. Hein. Ah, ou alors Choupe Kingdom. Choupe Kingdom, en vrai, c'est le nom du jeu. Choupe Kingdom. Ah ouais, tranquille, j'avoue, Armin. Choupe Kingdom ou Choupe Army? Qu'est-ce que vous préférez? On peut faire un sondage. Au-delà de l'Army, c'est votre royaume. C'est vrai que Army a un côté un peu agressif quand même, mais... Choupe Kingdom... Il y a quand même beaucoup de Kingdom dans le chat. Hein. Ah, il y a un sondage. Votez donc. En plus, techniquement, le jeu, c'est Rise of Kingdoms, donc. Votez donc au sondage, mes petits poulets. J'arrive pas à choisir. T'es pas obligé de voter, hein. Si tu hésites entre les deux de manière égale. Ah, j'ai plus de batterie, wesh. Je dis wesh, c'est gratuit. Oh, c'est mignon. C'est wesh. Le jeu n'est pas qu'une armée, mais tout un royaume. Ah, bah ouais. Ok, c'est Choupe Kingdom à 75% des votes. Ce sera donc Choupe Kingdom. Annonce. Alors, accepte tout le monde. Bah non. Candidature nécessaire. Candidature nécessaire. On est d'accord. On va pas prendre n'importe quel genre du peuple, tu vois. Tu vois, c'est... Je ne suis pas encore niveau 5, je rush le jeu. T'inquiète! Alors, annonce. Regroupe des choupes de tout horizon pour une alliance chaleureuse. Pleine... chaleureuse. Bah c'est ça Céleste, c'est ça. Oui, oui, c'est ça princesse. Merci pour le follow, Dre Sarah. Regroupe des joues de tout horizon pour une alliance chaleureuse sous le soleil du sud. Il fallait quand même une référence au bonne mère, bonne mère. C'est quoi le tag d'alliance?
Le tag doit compter 3 ou 4 caractères. Seuls les chiffres, les lettres et les caractères spéciaux sont acceptés. Ok. Et bah on va mettre un arrobase, un 8 et ML. Parce que Marilyn, wesh. C'est bien. C'est pas un arrobase, c'est un hashtag. C'est pas un arrobase. C'est pas mal. Est-ce que je mets candidature nécessaire ou accepte tout le monde? Ah mais il me faut 500 trucs pour créer? Attends, je vais pimper un peu. On va mettre en rose. Et en symbole, je suis pas très fan de ce qu'il propose là. Hein. En renard, bien sûr. Merci Priya, merci beaucoup. Ah, orange, j'avoue qu'orange, ça peut être joli. Mais rose, c'est mieux. Oh, c'est un violet et rose, tu vois. Ça vaut cher le clan. Mais grave! Ça me prend toutes mes pièces. Le rose des queens. Bah ouais, mais du coup, attends, je vais peut-être mettre l'autre rose. Genre, tant qu'à faire, autant la framboise, tu sais. J'espère qu'il va être rentable ce clan, mais grave! Tu dédies ton argent pour nous. Oh, ça se gagne vite les gemmes. Non, je crois pas, non! Je crois que les gemmes, ça, c'est l'équivalent de ce que tu payes normalement. Mais. Bon, bah. Allez! Pour tous les choupes! Je claque du pognon. Ça! C'est vraiment, hein, que... Non quoi, Mazéoff? Attends, Mazéoff a dit non. Qu'est-ce qui se passe? Ta moulin. Pendant ce temps, Sky était face à un téléchargement interminable et voyait ses copains créer un royaume pour affronter le monde s'éloigner à l'horizon. Non mais 500, wesh! En vrai, je suis pas prête psychologiquement. C'est... Devenons pauvres, mais ensemble. Ah là là! Ah là là! Ah, ça fait mal, hein! Allez, vous le valez bien. Vous défrancez. Comment? Même le jeu, il sait que ça m'arrache la gueule! Vous dépenserez 500 gemmes, confirmé? Tiens! L'important n'est pas l'argent, mais l'amour et l'entraide. Oh oui! Bah oui, 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 oui! 500 gemmes? Putain. 500 gemmes! Ah, ça me. Ça... Là, ça... Tiens, là, je revis le deuil, là. Faut que je boive. Ça faut que je boive. Voilà, c'est... Ça va bien se passer. Ça se passe bien du tout, hein. On se retrouve là-dessus, bout des manas. Ah non, mais en fait, ça serait la thune que je peux regagner dans le jeu gratos. Je m'en bats les couilles. Là, c'est, là, c'est les diamants que t'as quand tu dépenses. Tu vois ce que je veux dire? Je peux le faire. Ah, ça me... Allez. Ah! C'est bon. Great job, Governor. Vous avez rejoint une grande famille. Vas-y, présente-moi. Votre tag d'alliance est 8 ml. D'accord. On peut être 50, donc c'est ça, on peut être 50. Et ça augmente au fur et à mesure, il me semble. Des caractéristiques diverses de l'alliance sont présentées ici. Touchez-les pour en savoir plus. Je touche. Je peux rien faire, ok. Changez d'onglet pour vérifier les membres, la liste des alliances, le classement et les paramètres d'alliance. Rappelez-vous que lorsque vous aidez vos alliés vous aident aussi. C'est là la clé d'une alliance forte. Au pire, tu fais une guilde et pourrais entrer en train de t'offrir 50 diamants. ok. Moi, je suis officier. Bah, en même temps, c'est moi qui... Ah bah non, moi, je suis la queen, en fait. En même temps, c'est logique, hein. Journal d'alliance, réglage, liste d'alliance, classement, approbation, démantèlement de l'alliance. Oh, je démantèle que dalle. Journal, bah forcément, il s'est rien passé pour le moment. Réglage, c'est nous. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est bon. Chaque alliance est unique. Rejoindre une alliance vous permet de bénéficier des avantages.
Obtenir un accélérateur d'aide des membres de votre alliance pour accélérer vos efforts de construction, attaquer des forts barbares ensemble pour gagner des cadeaux d'alliance, construire des forteresses d'alliance ensemble et ainsi développer le territoire de l'alliance et obtenir des points individuels, utiliser des points individuels dans le magasin d'alliance pour acheter divers objets utiles. Ok, bah c'est cool, c'est nice, c'est sympa. Approbation. C'est déjà vous ça? C'est déjà vous? Alors attends, il y a Elia Lona, Clo-Clo, Lenka, Ali Phoenix, Neitsu, Vlad Versi. Vous avez été très rapide. je démantèle que dalle, je ne clique même pas. Et du coup, journal d'alliance. Ah oui, ça affiche même pas. Ah si, vous êtes là! Vous êtes là! Et là, c'est la liste de toutes les alliances qui existent. Ok. Et classement, on doit pas être... Oh! Il y a vos classements à vous. Oh, Clo-Clo a tout poutré. Clo-Clo, première puissance individuelle, premier maître bâtisseur, première aide de l'Alliance, première aide en ressources, scientifique fou. Mais Elianola est une machine à tuer. Donc, c'est... Et du coup, j'ai d'autres approbations. Genta et Reine Gaïa. Venez dans mon Alliance! Je sais pas trop ce qu'on peut foutre avec, par contre. Alors, guerre. Tout le monde est satisfait, il n'y a pas de guerre. Bah, c'est très bien. Lieu saint. Il n'y a aucun lieu saint, point de contrôle occupé. Territoire. Il faut au moins que j'ai 20 membres. On ne peut pas faire ça avant d'avoir 20 membres. Pour faire une... On peut faire une forteresse si on est 20. Demande d'aide pour améliorer le centre d'alliance. Et je peux... Ah d'accord, on peut aider... on peut demander de l'aide. Réserve. On peut avoir des points de ressources. Ok. Oui, on peut s'aider, c'est ça. On peut s'aider en technologie. Oh, jamais je donne, hein. Je donne pas, hein. Je donne pas mes joyaux, hein. Ça va, hein, les joyaux, hein. Cadeau. Ouvrir des cadeaux d'alliance pour que t'aies les points clés. On n'a pas de cadeaux d'alliance. Mais c'est le début en même temps. On arrive. C'est le tout début. Ah, j'ai des demandes d'approbation. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un point d'interrogation. Il y a un chat commun. Ah ouais? Vous êtes tous rang 1. Mes petits loups. Aide. Je t'aide, Bladversi. Il est où le chat commun? Je trouve pas. Bah, il faut peut-être que... Vous êtes quel niveau quand vous trouvez pas? Bah après, remarque, Gaïa, elle a 4000 en puissance, donc ça doit pas être une question de niveau, hein. Enlève en bas à gauche. De quoi? De quoi enlève en bas à gauche? Et là, les 12 000 membres du Discord arrivent dans l'Alliance et font planter le jeu. Ah, pour le chat commun? Je trouve pas. Ah, reviens sur ton village, ok. Attends, je récolte mes trucs. Ah oui, c'est là! Trop bien! Il y a le chat entre choupes. Énorme! Oui, bon, ça, c'est le truc général. Remets-moi petit. Coucou. Énorme, j'adore! Et alors, par contre, je veux qu'il soit petit, moi. Comment je diminue cette chose? Parce que, non, parce que là, c'est... Ah, c'est là. T'es là. C'est la croix. Alors, attends, parce que du coup... Donc, j'ai bien une alliance, j'ai des pierres. Alors, rejoignez ou créez une alliance. C'est... Il me donne pas de cailloux, non? Téléportation, ok. Je récupère toutes mes trucs. Ah, j'ai fait plein de missions sans faire exprès. Hein. Waouh. Oh, on peut faire des expéditions. Oh. Alors, attends, pause. Réclamer, c'est bon. On pourrait faire des stratégies comme ça, mais grave. Alors, une mission en expédition. Waouh. Salutations, gouverneur, bienvenue dans l'expédition. En terminant les missions en mode expédition, vous pouvez gagner des récompenses tous les jours. Ces récompenses peuvent être échangées contre des sculptures de commandants dans la boutique de médailles. C'est parti. Objectif de mignon. Déployez vos troupes de mignon. De mission.
Éliminez tous les ennemis. Terminez la mission en 60 secondes. Perdez moins de 50% de vos unités. Confirmé. Victoire assurée. Ah bah ça me va très bien. Ah c'est moi qui dirige ? À la limite, ceux qui ont réussi, vous pouvez guider ceux qui n'ont pas réussi pour la... Pour la quête. Enfin, pour la quête, pour le clan. Ouais, petit trash de gueule. On n'était pas sur le même serveur ou je sais pas. C'est bizarre. Connaissez votre ennemi, connaissez-vous vous-même et vous serez en sécurité même au travers de centaines de batailles. Oh oui. Première victoire. Oui. Ok, et what, 80. Oui, ça fait beaucoup quand même. J'ai bientôt level 5. Yeah. Et ça, c'est des trucs que tu peux acheter avec les médailles. Du coup, défi 2. Mais il y a un moment où je vais pas avoir le level en fait. Victoire assurée. Tant que c'est victoire assurée, moi ça me va. Hein. On ne te trouve pas dans la liste des alliances. Il faut peut-être le temps. On n'est pas tous sur le même serveur. Ah, peut-être. Vous pensez que c'est ça? Bah oui. Sinon, vous pouvez pas vous trouver par le chat général et peut-être voir la guilde à laquelle appartient la personne. Ah, peut-être. Normalement, je sais qu'on peut changer de serveur. Mais je sais pas... Normalement, je sais qu'on peut changer de truc, mais je sais pas tous les combien ou trucs comme ça. Ah oui, il y a vidéo dans 10 minutes, eh. Dis donc. Mais c'est quand même bizarre que par hasard, genre parmi les différents serveurs, il y en a 5 qui ont été tués tout de suite. Je sais pas, ça me paraît chelou, non? C'est quoi ce truc là aussi? Pourquoi j'ai 1? Ah, chance égale. Chance égale, bon, ça vaut le coup, mais. Ah, t'as trouvé, Arme Titi? Le royaume du début, ça n'a pas d'incidence si j'aurais dû choisir par exemple la France au lieu de la Chine. Ah non, ça change rien, c'est sûr. J'ai hâte aussi pour la vidéo. La vidéo de ce soir, j'ai fait un top et flop de mes derniers visionnages. Au cinéma et en film, sur les plateformes, etc. Parce que du coup, vous savez, je fais des petites chroniques maintenant sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, ce soir, j'en sors un autre. Et du coup, là, je me suis dit, parce que je voulais pas faire un update ciné de juste redire ce que je disais en vidéo, je voyais pas trop l'intérêt du truc. Et du coup, je suis grave contente de ce système-là, je trouve ça vachement... Enfin, je me suis vachement amusée à le faire. Pas moyen de vous trouver dans les alliances, mais c'est trop bizarre. J'ai envoyé un message dans le chat général, pseudo Lianola. Ah, vous pouvez checker ceux qui sont avec moi, genre Lenka et tout. Parce que moi, du coup, je suis occupée de battre. Il faut être niveau 7 pour avoir des amis. Mais techniquement, t'as pas besoin d'être niveau 7 pour rejoindre... Ah, du coup, j'ai pas tout eu. Ah, si! Bon, je pense que là, par contre, je vais arriver au bout de mes capacités. Chance égale. En vrai, chance égale, j'y vais, hein. Chance égale, on y va. Bah c'est ça moustache, je suis en train de me battre là tu vois, c'est... Il y a un moment, voilà. Hein. 40 secondes, c'est long de marcher. Je lance de l'échoupe dans le chat. Vas-y Lenka. Ah, Lilugo a trouvé Akalia. Bien wesh. Oula, je suis quand même seule contre 3 là, ça pue un peu.
va être compliqué, ça va être compliqué. Coucou, j'ai téléporté mon royaume pas loin du tien, tu dois me voir sur la carte. Oh, trop cool! J'ai trouvé beaucoup de choupes, mais je sais pas qui est dans le clan. Ah, t'as trouvé beaucoup de choupes? Oh, c'est cool! Bravo, moustache! Yeah! Eh ben, en vrai, on s'en sort grave bien, je trouve, hein. Attends, on va stopper pour le moment. Donc, expédition, c'est ouvert. Ça, pas encore. Il faut niveau 16. Ça, niveau 10. Et ça, ça a pas encore commencé, tout simplement. Clo-Clo, c'est qui? Parce que vous êtes cité en bleu. Je crois que t'es avec moi. Ah ouais! Trop bien! Et copine! Et bim, une mission. Des barbares, on l'a fait. Hop. Alors attends, je retourne voir ma... Alors, mon alliance. Non, comment on fait pour voir... Comment je fais pour la voir, la... l'alliance? Ah bah c'est là. Approbation. Ah, Ludi nous a rejoint. Très bien, récolte de... Ah bah c'est très très bien, on prend. Et j'ai un rapport de collecte de pierres, très bien, 16 000 balles. Enfin 16 000 pierres, on est content. Il faut que je joue aussi, ça me changeait de ma dernière expérience. Bah ouais, c'est quand même plus drôle quand on est ensemble. Hop là, ça en est bon. Alors, il me faut des unités de siège. Il me faut le champ de tir à l'arc toujours, 20 troupes de barbares, donc faut que je me batte. Il faut que je recrute des unités de siège de ouf. Et les fameuses technologies. Alors, unité de siège. On entraîne. Technologie. Et il faut que je les augmente, ouais. Faut que j'augmente ma technologie, enfin mon académie. Hop là. Tu as dit que tu étais dans le royaume Uniogène. On est à deux roues, donc c'est pas le même royaume. Non, non, il faut pas forcément prendre Chine obligatoirement, je crois pas, hein. Non, je crois que c'est plus une histoire de royaume. Comment on avait vu ça tout à l'heure pour le royaume dans lequel j'étais? Je suis dans le royaume d'Unogène. De 1995. Mais ça me paraît bizarre qu'on puisse pas se parler d'un truc à l'autre, puisque je pense qu'après, en fonction des saisons, on se retrouve. En gros, tu dézooms au max et t'as la map qui s'affiche. C'est quoi ça? Téléporte votre ville sur un emplacement ciblé au sein du territoire... Oh, bah voilà! Ah bah non, c'est au territoire d'Alliance. Téléporte votre ville sur un emplacement ciblé au sein du territoire d'Alliance sur la carte. Donc on peut bouger notre truc, quoi. Et j'ai gagné... j'ai gagné quoi? Ah, dans travail d'équipe, ouais! Comme je vous ai aidé. Dans la version Game of Thrones, t'avais plein de gens selon le territoire. Bah oui, oui, clairement, normalement. Ah oui, je suis dans le cerveau ou perso, faut attendre une journée pour aller dans le serveur, je suis sage. Ah, c'est pour ça, Mindy. Quand je suis arrivée, j'étais dans le royaume Nagato, j'ai téléporté mon royaume pour être proche du tien. Ah, t'es pas sur le même territoire, voilà. Donc normalement, vous pouvez déplacer. Vous pouvez vous déplacer, hein. J'ai un truc... Ah voilà, fonds de développement. Pourquoi j'ai une offre? Oui, je l'ai atteint, mais... Ah oui, non, mais je l'ai atteint, mais je pourrais payer. Il faut pas être foufou quand même. Hein, c'est bon. Quand même... Ça veut dire qu'on est obligé de refaire des streams dessus le temps de nous rejoindre le clan au moins. Tu es sur Unogène. Ouais, alors attends, je dézoome. Donc ouais, normalement, vous pouvez bouger, hein. Je suis au royaume d'Unogène. Je suis encore débutante, donc faut que j'attende. Mes cailloux. J'ai plein de trucs à construire, là. C'est... Ah, je peux remettre des arbres. Ah oui, du coup, il y a mes arbres que j'ai déracinés qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, maintenant? Améliorer le champ de tir à l'arc niveau 3. Que je recrute de la cavalerie. Hop.
Chant de tir à l'arc, niveau 3. Il y a plusieurs maps, c'est impossible de trouver. Alors, même si on n'est pas sur la même map, si on est sur le même serveur, normalement ça marche, je crois. Il me semble, hein. J'ai postulé. Yeah, bravo Sophia. J'arrive. Ouais, Sophia, je t'ai. Et il y a des demandes d'aide pour améliorer... j'aide. Je suis gentille. Donc normalement, vous pouvez rejoindre. Merci Alice de faire le rappel. Il faut que j'améliore la réserve. Ah, mais de toute façon, j'ai ça qui est en train de se faire. Et il faut que je recrute des unités d'infanterie. Comment ils font pour passer là, par contre? Ah, faut que je fasse des améliorations ici. Ah, c'est long, par contre, hein. Ah, du coup, je peux demander l'aide de l'Alliance. Ah, trop bien! Je vous ai demandé de l'aide, du coup, pour mon truc d'irrigation. Faut voir tes coordonnées, ça peut aider. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être collé à moi, par contre, hein, pour faire le... Oh, tout le monde m'aide pour ma recherche technologique, c'est beau. Je suis au royaume du Nogène. 2995. Mais vous n'êtes pas obligé d'être tout près de moi pour pouvoir rejoindre le truc. Et attends, mon truc, c'est... Je veux pas... Est-ce que ça vous aide, là? Je sais pas comment je peux aider plus. Attends. 2995, royaume du Nogène. Il est marqué. En vrai, tout près, c'est pas mal si tu te fais attaquer. Oui, ça, ah oui, non, mais clairement. On recule, on recrute, on recrute. Bon, mes enfants, c'est pas que c'est très cool comme jeu, mais... On va peut-être s'arrêter là, puisque ma vidéo sort dans 4 minutes. Alors, en vrai, de mon côté... Ah, c'est bien, ça m'a rajouté, ça m'a coupé la moitié du temps. En vrai, de mon côté, je pense que je vais continuer à jouer. On va pas se mytho. Hop. Mais du coup, n'hésitez pas encore une fois à venir sur dans mon clan et à utiliser mon lien pour tester le jeu. Si vous voulez bien essayer, moi c'est cool parce que honnêtement, si vous essayez que vous montez niveau 5, et bah ça m'augmente le truc en dessous. Ce qui fait que ça fait que bah, la marque peut potentiellement mieux me payer si à certains paliers qui sont atteints. Donc ça me rend un service là-dessus. Après, ne vous sentez évidemment pas obligé de le faire. Hein, de toute façon, c'est, voilà, c'est du bonus, on va dire, pour moi. C'est pas du tout obligatoire, faut que vous en ayez envie. Et si jamais vous venez, bah, n'hésitez pas à venir dans mon clan. Parce que c'est quand même rigolo. Il faut absolument qu'on trouve comment venir dans ton clan. Mais normalement, enfin, je pense que en... vous pouvez vous déplacer et tout. Il doit y avoir moyen. Il doit y avoir moyen, il y en a qui ont réussi là. Donc il doit falloir traficoter pour vous déplacer. Normalement, c'est jouable. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve sur YouTube dans 3 minutes pour la Team Direct et Team Rediff. La vidéo sera déjà sortie. Prenez bien soin de vous. Et bah, je vais essayer de pas trop jouer là. Pour bah non, parce qu'il faut que je continue mardi en stream. Donc faut pas que je sois trop addict non plus. Donc partagez quoi? Tu veux quoi? Le lien du clan? Attends. Comment je vois déjà? C'était pas le journal d'Alliance? Non. Où est-ce que j'ai vu tout à l'heure le réglage? Attends. Aide, cadeau, technologie, réserve, magasin. Ah, c'est ça, je crois. Non. Comment je l'ai fait tout à l'heure? Je sais plus. Tu vas plus dormir la nuit. pour vous afficher les trucs. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, voilà. Le tag d'Alliance, c'est hashtag 8ML. Donc, n'hésitez pas. Venez, je vous accepterai de grand cœur. Je vous fais plein de bisous.
Et donc à tout de suite, dans une minute sur YouTube. J'ai passé un super moment et je vous aime très très fort. On a joué 3 heures quand même, hein. Voilà, je tiens juste à le dire. Bisous, à tout de suite.